pour dire mais ça nous fait qui ça traite toujours et n'a traité tout parce que depuis mon vraiment dans ça Lucas. Donc dans ce cas là les dossiers qui fait que vinio n'ta avec pour soumettre nos matrices complémentaires. Matrice complémentaire. Et si ça traité pour que nous connaissions que mais qui bon rété nous pas avancer encore. Pour que nous avons fini adresser ces questions une fois pour toutes les désormais. Deuxièmement, pour l'affaire du budget. Bon, oui, pour le budget lui-même, j'aime te dire tout à l'heure. Donc, ça me connaît, non, non, sorte de jargon, pas, me connaît l'aide, par exemple, il a signé une lettre. Si pas de provision dans le budget, il n'y a pas volé la finance. Mais comme question, ça va faire pas ma question l'argent, donc, je vais me l'aide, moi-même, mais affaire finance dans le même budget, c'est le ministère des Finances, peut-être, pour donner un chacun de nous là-dedans. Donc, sous. Avec permission, et puis non, on va passer la parole. Avec permission, président. Président. Oui. Merci. DG, OMH. Merci. Merci, président, honorable sénateur. Et pour m'apporter quelques éléments de réponse par rapport à tout ça que le ministre de l'Éducation nationale a dit et pour le ministre tout. Et par rapport à la première question que le président de la commission, le sénateur Denis Kadou posé, et par rapport à la question du profil, là, effectivement, et Kassa, nous connaissons, nous comptons faire un discernement de travail, le ministre a parlé de validation des acquis et expériences professionnelles. Si Kassa a identifié, donc il est capable d'adresser et carrer des réponses qui baillent pour Kassa précisément. Et par rapport à le dossier que le sénateur a posé, c'est qui le. Le problème qui fait que nous ne sommes pas capables exact, c'est parce que le ministère de l'Éducation nationale n'a pas voulu le dossier de bloc de coup. C'est au fur et à mesure la voulu le dossier. Et chaque fois que vous voulez le dossier, le dossier est traité. Jusqu'au 30 avril, que n'a pas l'air, une commission que PM a instituée, qui gagne le ministère des Finances, OMRH et le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, pour et mars à avril 2018, nous traitons près de 2133 dossiers. C'est-à-dire, ce dossier que nous accordons célérité à tout dossier qui a sorti de l'éducation nationale. Alors, il y a des dossiers qui ont des problèmes pour le nommer, parce qu'il n'y a pas de diplôme, il y a faux diplôme tout, il y a des dossiers qui viennent jeunes, qui n'ont pas de NIF, qui n'ont pas signé, donc dossier ça, donc le tourner, et qu'il y a plein de ministères là, avec le conseil NIA, réagissent sur eux-mêmes. Mais dans le moment que nous avons parlé à la ministre et la commission qui crée, nous avons le directeur ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale qui presque été à travailler dans le MH. C'est que dès que le dossier est venu, le dossier est traité. Et dans le tableau que nous avons devant là, entre personnel administratif et personnel financier, nous avons plus de 5830 dossiers qui traitent. C'est-à-dire qui concernait le ministère de l'Éducation nationale. Naturellement, on doit toujours vérifier est-ce qu'il y a un budget qui est approprié. Parce que si pas un budget, le ministère des Finances n'a pas fait suivi le dossier. Donc c'est ça qui fait que, bon temps de traitement normal que nous prenons le dossier, même si nous établissons l'égalité, parce que nous sommes obligés de faire contrôle. Si nous n'avons pas fait contrôle, nous tapons une décision, nous mettons tout le monde. Donc, puisque ce n'est pas une décision, ça prend, nous sommes obligés de faire contrôle. Donc nous gardons le dossier. Nous connaissons que c'est un dossier prioritaire. Et qui s'élève, que nous baissons l'hérité, mais nous essayons d'analyser, étudier le dossier au cas par cas. Donc, on dit que, on sait de inquiétude, de préoccupation, donc nous tenons compte de eux et que la commission qui institue à cet effet, donc, elle travaille énormément et qu'il y a un pile dossier qui traite. Et il y a un problème qui dégaine au niveau du ministère à tout, et même de tout ministère, il y a un problème de management et de rationalisation. Ce que nous essayons de faire, peut-être nous avons partagé tableau ça avec honorable sénateur, c'est que pour chaque département et chaque école, nous avons combien de professeurs qui gagnent et par rapport à telle autre école. Parce que ça que nous parlons dans le système, là, il y a des lycées qui gagnent pile professeurs, alors qui dépassent largement les quotas que tu as gagner et d'autres qui gagnent peu de professeurs. Donc nous sommes obligés de faire travail de management ça, travail de rationalisation ça. Si nous ne faisons pas, nous toujours le même problème là, et je pense que c'est préoccupation sénateur. Tout. Mais nous avons une commission pour développer notre travail. Et que je pense que jusqu'à date, et que le ministre est satisfait, pas de problème, mais c'est au fur et à mesure que nous avons fait des dossiers. C'est-à-dire que ce matin encore, nous recevons ensemble de dossiers et que des directeurs ressources humaines ministères là, c'est tous les week-ends et que l'équipe là travaille pour nous voir qu'il est que nous avons fini à dossier éducation nationale. Et je pense que c'est Avisa qui partage là et que nous partageons tout, que nous sommes toujours très préoccupés avec le ministre de l'Éducation nationale là, c'est à partir de qui le n'a pas capable de dire une fois pour toutes, question ça résoudre
parce que nous pas cabaye priorité uniquement tout le temps bloqué et primature ou EMH pour que ces dossiers éducation nationale et actuellement c'est un dossier prioritaire que nous traitons au premier chef mais au côté privé et ça fait que dans petit contact avec le ministre de Mabdisala que faut que nous arrivons au moment pour nous dire que une fois pour toutes dossier ça traité mais nous avons plusieurs séances de travail nous avons séances de travail avec sénateur Patrice Dumont sous question ça avec des professeurs et avec élèves professeurs école normale. Donc ça veut dire que si nous pas aborder le dossier au cas par cas, il y a des difficultés que nous pas qu'à jouer une réponse si nous traitons dans sa globalité. Donc je pense que n'a pas avancé et que nous prenons engagement que d'ici semaine prochaine tout dossier ça qu'il a que le ministre a proposé à traiter, mais à un certain moment faut qu'on capable dire que nous finissons parce que c'est pas chaque mois et que pour gagner de renouvellement de dossier prioritaire au niveau de l'éducation nationale. Merci beaucoup. Ce que tu comptes encore réagir, c'est non, oui, nous avons fait une toute dernière réaction avant que ça te soit le parler. Non, c'est à moi, parce que il y a plusieurs sénateurs qui listent. C'est matrice là. Il y a presque une monopolisation et parole là par. Le sénateur de la vous. Allez, parlez donc déjà. Merci beaucoup. Mais on va profiter au passage pour me dire que m'apprécier franchise et honnêteté et ministre et disons l'équipe exécutive là. Pour ma question, nos vos dossiers qu'à priver, parce que le Sud-Est est son cas d'espèce, que dire. Parce qu'effectivement, il y a des dossiers qui à peine arrivés. Au côté où et qui en traitement effectivement dans le cabinet ou et autres etc. Vu que pas un sénateur sud-est qui est présent et qui peut défendre cause ça, même obligé faire accro ça, m'obligé au moins défendre la position du sud-est aussi en dépit de mon statut de président. Alors, la parole au sénateur et Sorel. Moi, cher collègue, monsieur le président. Premier ministre, ministre de l'éducation et coordonnateur de l'OMRH. Nous sentis que nous mettons ensemble pour vraiment et ministre financement pour résoudre le problème. Ça, parce que sans harmonisation, ça, je pensais que le problème n'a pas d'abord résoudre vraiment. Donc, encore une fois, compliment. Donc, pour même pas aller. Répéter ça, sénateur déjà dit, m'a juste ajouté ça au parti. Nous avons un premier cas, nous t'arrêtons signalé. Nous avons des instituteurs qui abordaient moi, dans grandance, yo c'est normal, yo en salle de classe, mais yo pas les deux bacs, yo pas les bacs. Nous t'arrêtons dit, avec expérience. Avec diplôme normal, yo, alors instituteur. Donc, comment la traiter le problème ça? Professeur qui en aille de pension. C'est vrai, gouvernement, on aime gagner une politique, la mener sous question ça. Monde qui besoin de pension, c'est vrai, c'est que faut le demander, même qu'on aime une politique qui a fait sous question ça. Automatiquement, l'âge pension est limité pour tout le pays, bien que loi beaucoup voter. Pour l'hygiène automatique. L'hygiène automatique. D'ailleurs, on dit pour professeur ça, comment on n'a pas abordé. Pour les professeurs de psycho. Professeur psycho, yo, c'est comme si nous avions trois écoles. L'école normale, l'école normale, l'école nationale. Yo. Nous avons professeur psycho yo, et nous avons pour nek. Yo. Donc, professeur ça, c'est contrat que nous avons. Mais ça nous va le faire avec vous après. Est-ce qu'il y a toujours ce contrat? Ou bien, on a rentré dans la nationalisation de l'école ça. Je pense que l'y en vue. Pour professeur ça, rentrer suivant profil, suivant règlement éducation. Hein, pour instituteur, pour professeur deuxième, troisième cycle, mais ça doit gagner. Est-ce que nous avons rentré dans la normalisation pour nous nationaliser l'école Zayo et pour nous mettre pour nous foncer l'école? Donc, dans ça, monsieur le ministre, Darimon, dis-nous exactement ce qu'on va faire
avec le professeur Sayo. Donc, je ne vais pas le poser trop parce que tout reste sur toute question. Il y a un collègue déjà qui posait. Donc, je crois que c'est question Sayo seulement que vous gagnez dans les mains. Joigne quelques réponses pour vous. Merci, monsieur le président. Merci, président. Monsieur le premier ministre, confrère Agénor Cadet, monsieur le ministre, donc, confrère aussi, j'ai envie de dire cousin, parce que c'est voisin, cousin, voisin c'est cousin, et Joseph Pierre-Louis, monsieur le ministre de la Justice, tout le monde qui a accompagné le premier ministre là, parce que pays à son pays, spaghetti et nos spaghetti à tout, ou toujours gagner 11 amis, mon connaissance ou mon confrère qui n'a goûté senti dû. C'est comme je dis. Moi-même, malheureusement, je n'ai pas qu'à faire compliment. Pour ça, moi, ouais, ça me tendait, pays à marrer et le marrer dans l'éducation en tout. Moi, vivre des efforts considérables. Mais Pierre-Louis se dit là. Mais, monsieur le Premier ministre, vous se dit que vous êtes enseignant tout parce que vous enseignez à l'université. Président et madame Né étudiez sciences de l'éducation. Mais moi-même, moi, c'est un rap d'occalé dans faire l'école. C'est ça que métier. J'ai de l'autre journaliste avec entraîneur de football. Mais c'est dans faire l'école là. Mal l'école pour ça. Et puis, moi gagné, pas perdu une espèce de corporatisme même dans le métier. Au point que moi jaloux carrément de sénateur Cantave qui vient avec une loi sous pour accompagner enseignants pour amélioration conditions enseignants. Alors que, en fait, vous connaissez il a plus longtemps ici à Bassim. Il prend devant, mais je prends au libre dans tout pour que la loi ait un sens qui est encore plus profond et plus large. Moi, j'aimerais rappeler quand même à la délégation exécutive là, 5 points, président de la commission fait sortir qui sonnait alerte là. 5 points, moi pense faut que le ministre là, faut que l'OMRH, pour le premier ministre là, certainement, retourner sous yo. Nombre significatif d'enseignants qui dans la salle de classe qui va toucher, capo neclan, et programme nationalisation, donc programme nationalisation école communautaire, de même pour FACAP, de même pour inspection scolaire qui pas inspecté, donc nous ne connaissons pas qui s'est passé dans l'inspection scolaire là, et pas gagner conseil d'école. Ça t'a suffi. Pour nous, tu as convoqué les états généraux de l'éducation nationale comme un conseil d'administration sur un budget en déficit. Mais, on tendance le pays pour nous banaliser le très grave. Nous, tu es capable de prendre un chapelet de revendications, tant que ça, sénateur François Denius, bail pour. Professeur Rincher, ou moi-même, moi t'as cité, professeur Mentor Léogan, nous t'as capable en quantité. Mais on a commencé par le commencement peut-être. Qu'en est-il de Fonds National pour l'éducation? Loi pas encore publiée. Donc nous n'avons pas qu'à reprocher au Premier ministre là, ni ministre de l'Éducation nationale du fait que par un conseil d'administration. Vous comprenez? Mais, depuis 2012 seulement, que nous déconnaissons de la part de la Banque Centrale, qui quantité corps à peu près 189 millions de dollars américains, qui était entré depuis lors en rien.
c'est le blackout total. Qui quantité de code qui gagne Kounia là dans FNEA pour l'école? Nous rappeler, c'est l'argent haïtien voyé, capillon Haïti voyé par petit tueur à l'étranger et l'argent haïtien qui vivent aux États-Unis, en République dominicaine, partout à travers le monde, au Canada, voyez, by petit yo, en Haïti, zamio, famio, yo prend 1,50$ sous yo. Nous pas connaît combien lié, nous pas connaît vrai tout, qui ça le fait. Un exemple sur qui ça le fait. Et le ministre de l'Éducation nationale a dit nous, si rapport ça vrai, 40% de frais de gestion qui gagnent dans le ministère de l'Éducation nationale. Frais de gestion, pour le public, là, pour le peuple, là, qu'on est bien, c'est l'argent, l'État obligé de payer au paquet de cailles depuis le tremblement de terre. Là. Jusqu'à présent, la paye au paquet de cailles, paquet d'argent. Des gens qui parlent dans l'éducation réellement. Que l'État, ministère, obligé à payer au bail au compte pendant ce temps, professeur pas qu'à employer, frais de gestion. Autrement, tu comprends bien, oui, 40%, ça veut dire sous chaque 100 boules pour l'éducation, il y a 40 qui allaient, non, soi-disant, gestion. Pendant que, justement, matériel didactique, professeur, conseiller pédagogique, pas capable de travailler. Et c'est ça qui expliquait tout. Et l'école Village Renaissance, qui est l'école nationale depuis 2011, jusqu'à présent, ni professeur, ni directeur, pas touché. Village Renaissance, c'est la plaine, non, oui. Côté où les orangers, oui. Qui est 7000 monde qui vivent là-dedans, oui. C'est une organisation non gouvernementale qui. Et aider dans l'école Nouvelles Orangées pour sa papi mal pour cet petit monde. Mais l'école nationale là, l'école l'État, il y a pour payer professeur, pour payer directeur, pour faire ici, pour faire l'autre bord. Mais il n'y a pas touché. C'est bien. Récemment, c'est une retraite qui peut sortir dans la tête moins. Et président Lambert, il faut toujours organiser cette retraite. Et puis, si le président a demandé pour le venir, il faut toujours d'accord pour le venir. J'ai dit au président de la République, qui était parlé de 15 000 salles de classe là, monsieur le Premier ministre, que c'est bien de faire les salles de classe. Mais les professeurs qui ont le travail là-dedans. Si c'est une école primaire, comme PPT, vous avez 15 000 nouveaux professeurs pour 15 000 salles de classe là. Si vous gagnez 8 000, 9 15 000 là, qui secondaire, faut gagner 30 multiplié par 8 000 ans comme nouveau professeur. Or, près de la palais à la, amortissant, nous ne pouvons pas parler de fond des boudins, non. Nous ne pouvons pas parler de les Irois qui isolent, non. Nous ne pouvons pas parler de l'école Marouge, ou bien Molse Nicolas, ou bien la tortue, car le sénateur Augustin, qui n'ont pas de difficultés, non. Nous avons parlé, tout à l'heure, nous parlé, de école nationale Renaissance là. Quand on va parler de CFEP, CFEP, c'est centre de formation des écoles fondamentales, pour les écoles fondamentales. Monsieur le ministre, l'école là pratique fermée, oui, parce que le projet pas touché. Ça a formé pour le sérieux. Et puis, monsieur le ministre, après ça, j'espère que nous avons l'emmené à Goulade. Vous travaillez comme un deal en haïtien, de coup bœuf cabrette de Ougan. Moi, je sacre le bœuf cabrette, nous, le bœuf chawa. Mais ce n'est pas normal que nous avons toute énergie, ça veut dire que nous avons un résultat. Le dossier de l'ENGA, l'École nationale de généalogie appliquée. Je dis encore, je parle avec le directeur. Il ne faut pas que je me touche. Il ne faut pas qu'on me pour le faire. Oh, nous faisons le grand. Yon disposition qui quitte le travail pratiquement pour venir faire ça. L'école n'a pas de toilette. Mais nous, un an depuis que nous avons mis le nom de nous, Frère Saint-Louis, nous n'avons pas de rangé.
travail pour qu'ils te mettent en place pour l'école là, 200 moun apprendre géologie, ils n'ont pas capable de faire li. C'est même bagaille pour ces chefs là. Si monsieur Damien, ils osent avoir. Alors, comment? Vous savez, les compliqués pour me parler comme ça, et en qui est-ce qui en face moi? C'est bien Josué Agenor Cadet. C'est douloureux, mais au-delà de l'amitié et de la confraternité, il y a la nation. Et la nation supporte mal, très très mal, lorsque l'éducation de notre pays est aussi mal que, le, que la salubrité. Lorsque la sécurité ne va pas, tout à l'heure là nous sommes fait toute préambule séance là sous question insécurité. Et c'est peut-être ça, monsieur le Premier ministre, et douloureux pour nous lorsqu'on dit que nous avons sécurité. Ben, elle a compliqué pour nous. On dirait, il y a des gens qui croient dans le tabou la rasa, il faut nous faire mes pays, hein, et puis pour nous dire, on recommence. Non, il n'y a pas de tabou la rasa qui vaille. Mais il faut quand même faire beaucoup plus d'efforts encore. Ne dormez pas. Prends Captagon. Il n'y a pas de problème pour ça. Prends Captagon. Premier ministre, son médecin. Je vais côté mon médecin là. Génération pas nous, on suit nous dès qu'on a fait pour Captagon. Pour nous qu'aider pays, pour nous faire pays à marcher. Donc, s'il vous plaît, formation, l'école fermée, l'école pas capable ouverte. Ensuite, nous avons pile compte dans nous. Sénat, pas qu'on est comme compte nous gagne. Et qui j'en nous utilise. Chef des députés n'a pas qu'on est. Peuple a besoin qu'on est. Les gens qui sont en diaspora, ils se détruisent pour vous faire des corps ici. Alors, font effort pour nous faire le meilleur de nous-mêmes. Alors, je terminerai par cette question très simple. Messieurs les membres de l'exécutif, est-ce que nous croyons que le pays, dans l'éducation comme dans tous les autres domaines, est-ce que nous croyons que c'est le meilleur de nous-mêmes que nous avons là? Et si c'est le meilleur de nous-mêmes pour le pays en état ça, alors là, il faut que véritablement nous désespérions de notre pays. Merci, Président. Moi, commencer par féliciter le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Éducation nationale, secrétaire d'État et coordonnateur MRH là pour l'effort que nous avons commencé à faire pour aborder la question ça, qui pour moi-même c'est une question fondamentale, doit parler de développement au pays. Pas un développement capable de faire si que nous pas gagnons un relèvement de l'éducation paysanne. Je suis bien content que je prenne la parole après intervention sénateur Patrice Dumont qui saute fait un cri de cœur un citoyen avant d'être sénateur qui est même moins certaine réalité et qui commençait à sentir le ras-le-bol et moi j'ai l'impression psychologiquement côté le Chida qui fait allusion à intervention sénateur Salomon et la pose d'être question. S'il devine là, pour qu'il s'en va faire bagaille changer, il me pensait que il y a un pile collègue dans le coup du monde, dans la salle là, qui a une volonté pour que pendant la 50e salle là, le groupe sénateur ça qui là, t'a voulu faire un bagaille qui t'a sorti de l'ordinaire. Donc, à poser peut-être nos questions, pour qu'il s'en bagaille la bloquer comme ça. Je suis capable de dire que les mauvaises habitudes ont la vie dure. Et je crois que questionnement sénateur Dumont, seul ça m'a capable de dire, c'est pour questionnement que nous sommes capables d'adresser à un ministre, même à gouvernement, même à premier ministre. C'est un questionnement pour nous faire à la nation et qui pose même problématique sénateur Salomon se dit là. Parce que ça n'a déploré là, c'est le produit de toute une histoire politique
qui implique nous-mêmes comme sénateurs, je dis encore, pas nécessairement nous-mêmes qui l'a dit, hein? Mais il y avait toute une pratique politique qui fait que, en pile secteur dans la vie, je mettais les doigts trempés dans la corruption qui mettait nous là aujourd'hui. Nous autres, en tant que, pas nécessairement nous autres, l'institution parlementaire en elle-même, nous commence à passer. Et par ricochet, que le bas, j'aime peu électorat, même population en coupable tout, parce que c'est lui qui habitue à voter tout le monde, ça au tout. Et quelque part, psychologiquement, pour le monde go sénateur, c'est acte de corruption, ça au côté fait pour te voter. Pour le monde go député, c'est ça au côté fait pour te voter. Et qu'en question de pouvoir, pour nous trouver un pouvoir, il faut qu'on fait des bagailles qui pas dans l'autre, des bagailles tout le monde qui pas accepté, il faut qu'on fasse les autres. Ou son nek pour voter parce qu'ils sont intelligents. Mais tout ça nous oblige à battre avec lui là. S'il s'agissait de prendre une décision par rapport au vote budget rectificatif, de prendre des mesures au niveau du ministère de l'Éducation nationale, il aurait été plus facile. Mais entrer dans la mentalité, ça, c'est mon bagage qui a fait Jodia. Mais ça qui est important Jodia par rapport à cette réalité. Que je viens, triste réalité que je viens de décrire et que nous tous nous connaissons très bien, il y a quand même un Sénat. C'est pour dire à sénateur Salomon, même lorsque nous voyons le mal devant nous et que l'avenir ne s'annonce pas radieux pour l'institution parlementaire par rapport au mécontentement de la population, eh bien, ce Sénat quand même, il y a des efforts que nous avons faits. Parce que nous avons permis quand même noter facilité que au moins nous poser question ça. Et je regrette que toute télévision n'est pas là, parce que pour moi-même, l'un des sénateurs qui prend courage ou qui a fait travail de contrôle, yo, et à travers questionnement qu'il a fait, il a fait des propositions à partir de l'expérience, je pense que son point capital lié de l'exercice de la fonction parlementaire qui pas existé. Et c'est un compliment pour nous avancer à toute institution Sénat qui a lancé une séance de contrôle ça, en général, qui permettent que je dis, si la population a suivre, de capable de position chaque sénateur par rapport à des autorités que nous allons diriger. Non. Je dis, nous arrivons en tant que sénateur, nous faisons séance de contrôle là. Et il y a un programme de tout sénateur, eux-mêmes, ils félicité le ministre de l'Éducation. Hein? Mais moi-même, je suis avec le ministre là, retourner encore sur la quantité de lettres, les zombies, chaque zombie, côté génial pour nous capables de garder un peu le problème là. Et ça, ce n'est pas nécessairement pendant nous là aujourd'hui. Nous allons faire, nous allons retracer l'histoire, mais c'est des pratiques qu'il a longtemps. Mais je dis quand même, je crois que c'est encourageant que. Et un ministre qui, je dis, a lancé une initiative pour déterrer chaque zombie côté la j'ai fait ou crochet pendant que l'autre professeur n'a pas touché. Je dis, a, même le n'a déploré état de fait là, nous n'avons pas tenu compte de ça parce que s'il n'a pas fait avant, bon raison pour ça. Je crois que c'est parce que c'est le ministre qu'on lit ou bien c'est qu'on y a un autre monde qui faut. C'est qu'on volonté pour nous entretenir la corruption pendant longtemps. Qui fait que l'autre n'a pas déjà fait. Je dis à s'il fait, c'est tout un signe d'espoir que si quelque part, même j'aime dans la santé, je joue tout, dans la police, je joue tout, donc quelque part, il y a des signaux clairs qui sont donnés que il y a un groupe de monde qui arrive dans l'État, qui t'a aimé pour tes contributions par dans la bataille contre la corruption. Mais qui est le Sénat joue dans le ça? Je crois que nous-mêmes sénateurs, par le me sont critiqués et me sont. Dix vérités sur ensemble de sénateurs et députés dans le passé qui croient que c'est non craser l'État pour capable élu pour faire la population un plaisir. Nous autres, députés et sénateurs, et surtout au niveau du Sénat côté problème déposé, nous méritons un petit minimum d'encouragement tout dans la mesure où, dans la première séance, on a gagné avec le ministre là, nous relève, il présente nos états de situation. Et question ça me déposer, ça sénateur Cantar, vous avez posé là encore, qui ça pour nous faire? Parce que nous avons tous les collègues de félicités, nous avons déclaration tous les collègues et maîtrise de ce système là.
et nous demander qui ça pour nous faire. Nous tous là, nous parlons dans l'élection, tout nèg avec jeune femme qui est dans le Parlement, avec femme qui est dans le Parlement, nous te trouvons nous face à des professeurs qui ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, par exemple, touchés. Et on dit nous que pour faire campagne, pour nous, c'est pas garanti que l'arrivée va faire toucher. Et c'est ça que je dis. Et là, on dit ça, je te pensais que vous n'avez pas montré que vous êtes un gros sénateur, ou son gros député, sous 2700 personnes que nous déconnons au commencement, ou pas jouer 12 qui sortit parce que c'est au seul qui gros sénateur qui a fait sortir et que Mandor est assuré pour retourner encore. Là, nous venons là, le ministre a présenté 2700 professeurs au paquet de quantité. Et moi-même, par exemple, dans le département BAM, là, j'ai fait une proposition ça, on me dit pas une réponse pour lui parce que ça sont deux autres samedis là, c'est lui qui toujours dit dans la campagne BAM. Oui, ça fait mal à l'aise, je me dis, devant tout professeur, je regarde là. Donc, fanatiquement, je ne dis pas dit ça, je vais voter mon coffre parce qu'il faut qu'on baille menti. Je ne dis pas une solution. Ça, c'est un problème grave. Il faut qu'on ait une solution globale. Je dis à nous-mêmes, comme sénateurs, le ministre de nos problèmes là, nous avons contribué dans le budget rectificatif là, pour nous mettre l'argent ça dans le budget là, pour adresser le problème là. Nous faisons ça, je dis à pour nous évaluer qui côté où il est. Et nous avons une avancée qui fait. Sous question ça. Donc, une fois que nous constatons que y a avancé qui fait sous paiement professeur, nous avons un collègue, je ne sais pas qui est, et nous toujours fait le tout, nous sentons que, puisque problème fondamental de fonctionnement système en termes de paiement, il commence à résoudre, parce que nous avons un problème politique, nous connaissons que si on n'a pas touché ces manifestations, et nous comptons apprendre tout que, en pile fois, les gens qui ont fait manifestation, c'est des gens qui n'ont pas même rempli conditions, mais qui ont fait manifestation, et qu'en pile sénateur ou bien député, pas d'avoir courage pour dire ça parce que c'est électoral, dans ce sens, je pense que nous faisons effort ça. Parce que si nous-mêmes, nous n'avons pas courage, pas nous, pour nous dire, nous n'avons pas courage, le ministre, avec ONRH, parce que l'ELT est comme ça. C'est des députés, des sénateurs qui étaient rois, qui étaient capables de mettre pour poste, qui étaient capables de prier. Je dis à, que des députés, des sénateurs qui n'ont pas le même pouvoir, ça, pour mettre n'importe qui genre. Parce que nous acceptons l'OMRH capable de faire travail par. Je dis à, je ne vais pas dire que je vais le trouver tête moins. Parce que ben, là, c'est plus grave que ça. Donc, en un certain sens, il y a des gens qui proche pouvoir ça, ou tu as supposé qu'on déficit dans la réalité traditionnelle politique pays. Ya. Parce que je dis, on ne peut pas fouer mon jambé, on ne peut pas paraître pour mettre mon jambé. Alors que si c'est longtemps, nous avons fouer mon jambé, c'est nous celles qui avons mettre mon panneau. Nous avons mettre 33 mon dans Nord-Ouest, et puis l'élection garantie encore. Donc je dis, moi, je crois que c'est un effort qui fait dans la bataille contre la corruption. Hein? Et l'effort, ça, l'aime garder, parce que je dis toujours, ce n'est pas parce que je dis c'est nous-mêmes qui sommes plus vertueux, mais honnêtement, parlement, ça, l'aime garder paysage. Nous avons dit ça avec le président, nous presque gagné un collègue qui connaît qui estime pour eux, pour effort à faire pour eux dans la corruption, pour crédit, personnalité par eux. Mais en général, nous presque gagné toute qualité, expertise en danser dans ça. Côté que si nous continuons avec l'élan de prise de conscience, ça, nous sommes capables de vivre très loin. Et je dis à ces gens, je dis à son signe encore. Une fois que nous remarquons que le ministre, en passe pour commencer à résoudre le problème quantité a, avec le problème politique là. Nous renonçons à ça, je dis, à, nous sentons que le Sénat est en train d'avancer sur qualité a. Et dernière intervention, sénateur Dumont, l'hypothèse en pile dans ça. Et sur question de qualité a, je ne suis pas un meilleur spécialiste qui dans l'éducation, là, il y a trop de monde qui connaît au Nando maintenant. Monsieur le ministre de l'Éducation, je vais demander. Bien que nous comprenons que problème politique, manifestation tout le temps, c'est les mêmes qui ont des cœur pour résoudre. Mais bon, l'autre aspect dans le ministère, nous, le ministère, là, par exemple, parler de lui, c'est question de formation professionnelle. Là. C'est parce que nous avons une qualité qui fait rentrer là-dedans. En attendant que nous avons fait transition, ça, nous comprenons que nous étions en transition. Mais nous avons fait transition pour nous entrer dans la normalisation. Sur la même question de qualité, sénateur du monde, parlé là. Nous sentons question de formation professionnelle là, nettement négligée par. Ministère là, par souci pour résoudre les problèmes politiques qui gagnent. Nous avons dit qui ça a gagné dans le diacre sur la question ça. Parce que, je dis à l'OAP, garder
éducation comme un vecteur de développement, pas gagner rien capable de faire parce que l'on est capable de parler d'investissement. Même certains hôtels, si nous avons gardé sous jamais état de fait, il n'y a pas de devenir monde, monde sans travail, il n'y a pas d'information pour travailler. Allez, dit pour t'inviter en plus gros chaîne d'hôtel, venir faire gros chaîne d'hôtel, mais qui monde capable de travailler. Je dis à monsieur le ministre, travailler à faire dans le plancher caillou, c'est Dominique et moi qui fait plus bon travail à moindre prix. Pendant que y a un chômage dans le pays. Je dis à même là, c'est la République dominicaine qui le fait pendant que y a un chômage dans le pays. Je dis à nous presque pas de mécanisme, pas presque tout marché. C'est eux-mêmes qui rangent les machines plus bien dans le pays. Pas besoin de parler des questions électroniques, design sur machine, véritablement. Donc ça veut dire, je dis à, je ne suis pas bon sénateur, un député, comme on a dit, il n'est pas bon, faut gagner. Faut gagner, mon qui gagne, tête fouette dans le Sénat, son porte de sage. Pour poser problème, le gens où doit poser, et côté où doit poser. Ça, ce sénateur du Monceau dit là, ça va mettre un état généraux sectoriel de la nation. Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple question d'éducation seulement. Il s'agit d'une question d'économie. Parce que moi-même, son fervent admirateur de Karl Marx et moi-même en pile. Moi, je crois que ce n'est pas la conscience des êtres qui détermine leur être, mais c'est inversement leur être qui détermine leur conscience. Tout ça qui a parlé dans le pays là, monsieur le Premier ministre, si pas de l'argent dans le pays, il n'y a pas grand qu'à faire. D'ailleurs, le problème, ça a posé là son problème, l'argent. Les bons qu'on a dit, on nous encadre, professeur, on nous paye. Mais est-ce que nous jamais posé tête nos questions qui coûte l'argent absolu? Si pas de travail dans le pays, et que c'est Dominique qui prend tout le travail dans le pays, à faire rad, ranger machine, ranger caille, qui s'accrédite pour nous véritablement pour nous capables de balancer l'économie. Donc, pour moi-même, avec toute belle vision venir là, monsieur le ministre de l'Éducation, pour qu'on ait des positions sur la question de renforcement de formation professionnelle. Parce que je ne sais pas quoi un pays qui a avancé véritablement pour tout le monde t'a obligé docteur, pour tout le monde t'a obligé avocat, pour tout le monde t'a obligé ingénieur. Donc, moi, je vais prendre comme première question pour vous, pour dire non, qui ça vous prévoit dans le cadre de la formation professionnelle. Deuxième bagaille. Deuxième question. Ou sous quatre qualité d'éducation en ministre. Moi-même, je ne suis pas meilleur, je pourrais dire encore une deuxième fois, professeur qui l'a. Mais moi-même, en tant qu'intellectuel, moi je vis des bagailles extraordinaires et je comprends le système américain. Moi, depuis petit monde, je apprends mieux que son gros nation, son grande puissance. C'est l'école qui a formé ça. Et là, je dis à ma prête par hasard, je des politiciens, des bons politiciens, qui dit bon, tant que le pays a boulé, on nous fait un compromis. C'est pas comme ça. Et puis, par après, son éducation, depuis dès le départ, qui fait que nous vivons aujourd'hui. Et je dis à mon jeune éducation, moi, m'estime que ça permet que nous développions. Nous avons une éducation côté mon récité de la sirène, après citer les sons par cœur, ça ne va pas comprendre rien. Même pas un main, monsieur le ministre de l'Éducation. Qui ça a empêché que, et qui vision, et combien de temps ça a capable de prendre, et qui implication ça prend tout, pour nous pour l'éducation, côté que, on a qui gagne deux maîtrises en Haïti, qui gros niveau intellectuel, avocat ou bien ingénieur, qui connaît en train de maquette, et pas courage tombe à la il faut qu'il garde s'il n'y a pas une date d'expiration sur lui. Mais ça arrive notre bois. On dit, nièce, 4 ans. C'est lui-même qui dit, je vais faire Malboa rapidement, c'est la pratique, je vais acheter. Il dit, non, retrouve. Parce que depuis dans l'école primaire, il faut la regarder s'il n'a pas expiré. Tout ça utile, je ne sais pas si on a fait dans le système éducatif. Je ne pas dit que, ou même, on est capable de faire aujourd'hui. Je vais même temps des points de vue par, qui sont gagnés dans le diapos. Est-ce que possible pour nous changer le système d'éducation ça? Je ne souhaite pas parler de questions, probablement de termes. Je ne sais pas si on a l'autre paillette encore pour nous accepter que aujourd'hui, faut son bagage qui entre dans la culture, non, parce que nous sommes pays à risque sismique. Donc, nous devons mettre des points de vue sur ça, à partir de, mis à part, tout bel compliment que nous avons dans le système. Et finalement, je dis au ministre, dernier bagage là, c'est que nous avons pas voté là sur l'encadrement des enseignants et des professeurs. Si nous parlé de l'ordre, loi ça, l'igon, objet directement qui a un rapport avec augmentation des dépenses de l'État. Et m'estimer que d'après la Constitution article 111.2, c'est l'exécutif là qui doit présenter là ça sous forme de projet de loi. Monsieur le Président. Pas émotion, d'ailleurs. Monsieur le
Pas d'émotion, pas d'émotion. Président. Pardon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. M'a fini. Donne-moi. Non. Il va. Président, monsieur président. Ou pas qu'à parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Quelle est cette histoire? S'il vous plaît. Ça me fait quoi là maintenant? S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est le président qui a conduit le débat. Le sénateur Cantave prendra une motion et motion 1 est automatique. La motion est accordée au sénateur Cantave. Président, je dis à Noville là, pour nous régler l'affaire professeur pas touché, professeur qui a pris la rue, élève qui a pris la rue, professeur qui a 3-4 ans, qui n'a pas touché, n'a pas eu n'a pas eu et l'autre enseignant encore. Moi, collègue, là, entre nos débordements, par contre, comment faire entrer dans le débordement, ça? Et sujet évoqué là, il a un rapport avec cette affaire-là. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ça, l'abdil, là, c'est pas l'autre pour collègue, là, passer par le ministre, là. Pour l'abdil, sous loi que au collègue déposé déjà, qui discutait, qui sanctionnait par l'Assemblée déjà, l'Assemblée parle sur le rapport-là, l'Assemblée proposition sur exposé des motifs, loi commence à voter, et puis moi que au grand coup, gay au délire de persécution que collègue a développé et la parler de loi que l'Assemblée a saisi déjà de lui, que l'Assemblée a commencé à voter déjà. Vous pensez ça, l'inadmissible, l'intolérable. Si collègue là, pas que l'autre bagaille vous le dit encore au sujet de ça là, fait là, que collègue là fait silence à jamais. Ça parler de là, je dis là, on a parlé de professeur pas touché. La parole de Mounsa, nous supposons nous-mêmes comme collègues, comme sénateurs que vous êtes représentants, comme défenseurs, comme avocats, nous venons pour nous régler la question, professeur Sao, pour le moment des ministres, qui est la paix et qui ça pour nous faire pour que vous touchez. C'est de ça que je parle là. Nous n'avons pas besoin que mes collègues là a parlé de bagages qui parlent de quatre sujets que nous avons développés là. Et d'autant plus, on appelle tout mes collègues là pour me dire que. Loi, ça n'a pas de lui là, qui n'a pas de parler de l'idée comme ça. Parce que loi, en débat, loi, il y a qui doit recevoir les gens dans la chambre, afin de constitutionnaliser la parole. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport là. Donc, nous avons un collègue dans ces îles, il y a fait 4 débats. La constitution, je suis médiatique, la fait. Mais moi-même, moi là, je suis venu avec un professeur. Loi, son canon au professeur, c'est parce que le professeur a aucun goût. Professeur tout uni. Professeur a marché pied à terre. Professeur, les difficultés pour parler, pour famille, je veux un encadrement. Professeur, pas même j'avais comme sénateur qui plus ou moins connaissance. Et puis nous-mêmes, puisque nous supposons mobiliser pour nous faire un encadrement pour professeur capable d'améliorer nos émotions. C'est ça que l'a fait là. Je dis là, je ne sais pas, ce n'est pas de bagaille, de l'autre bagaille à parler. Et loi ça, tout collègue, déjà Antonio, président. Pour que vous corrigez même chaque ministre éducation corrige comme on est qu'à faire réforme de l'éducation, et bien tout professeur attend que de nous-mêmes, en tant que collègues, en tant que sénateurs, en tant qu'avocats, en tant que défenseurs, pour nous donner la main, pour nous sortir de mal cité, pour que nous motiver la bataille, et pour que la situation, pour que situation qu'a changé. Et c'est ça où nous venons faire là. Oui, moi je finis, président, une seconde. Ah, c'est oui. Ça nous venons faire là, en tant que sénateur. Social pour nous venons changer la situation économique pour nous venons travailler pour former. C'est ça. Le professeur, il a parlé de changement. C'est ça. Nous venons. Qui va. Merci. Et je rappelle au sénateur Cantave que loi sur l'encadrement enseignants et professeurs il y a encore un débat et demain la m'a encore inscrit dans l'ordre du jour là parce que bon séance en continuation. Très bien. Merci. Il y a encore un débat. Donc, je termine, président. Il y a encore un débat, président. Donc, une seconde. Loi encore un débat. Mais la loi a été déclarée recevable par la Cour. Non, un débat, ça veut dire loi. Et voter la foutée loi. Très bien. Deuxièmement, le rapport a été voté. Les considérants ont été votés. Les visas ont été votés il y a
6 articles qui ont été déjà votés. Donc, on a avancé avec loi. Sénateur Cantel. Nous ne sommes pas d'accord pour que nos séances comme ça, sénateur. Les collègues qui ne sont pas d'accord. Sénateur Cantel. Sénateur Cantel. D'accord. Sénateur Cantel. Oui. Alors, on connaît que vous faites des pour loi, loi déclarée recevable. Très bien. Toute procédure engagée. Enclenchée. Et. Je ne veux dire, on va mettre loi encore. Loi est pour assemblée. Non, mais pas pour, il pas pour collègue, président. Cependant, il pas pour collègue, président. Mais personne, sénateur, pas qu'à torpiller. Très bien, il pas pour collègue. Il pas pour collègue ce soir. Collègue, à quelle position que il a pas pour que c'était intention. Donc. Oui, c'était intention. Et c'était toujours intention. Sénateur, que si, merci, président. Et c'est ça que Mdab dit. Et li bon pour nous gagner des parlementaires qui ont assez de sérénité, qui sont capables de poser la réunion en homme d'État. Je voulais faire cette remarque au ministre de l'Éducation nationale parce que dans les débats, je t'ai dit que lui-même était corrigé loi. Et je ne suis pas dit, ministre, que c'est un pion manquement pour le départ. Parce que toute loi qui est. Président, monsieur, encore une fois. Président, il faut cadrer. Président, c'est, monsieur le président. Oui, c'est vous. Ok, allez-y. Il faut cadrer le débat, président. Très bien, tout à fait. L'audience a été circonscrite, ou le cadre de l'audience a été circonscrit, et vous êtes là en tant que président pour que vous fassiez respecter le cadre de l'audience, président. Donc, nous, aujourd'hui, le sujet défini, le sujet déterminé, qui c'est comment on a fait pour le professeur. Et ma loi, aujourd'hui, n'est pas visée professeur. Il faut qu'on ait intervenu pour camper collègue là, pour qu'elle dise que mes cas qui les définissent, président. Merci. Merci beaucoup. Sénateur Kettler, vous avez été très long. Oui. 22 minutes. Oui, non, avec interruption à chaque instant. C'est un peu long. Avec interruption à chaque instant de sénateur Kettler. Que tant parole, pas moi, non, motion. Non, pas quoi ça. Allez, donc, allez-y, sénateur. Président, m'a dit que, et c'est ça que m'a dit à l'heure, et c'était dernière motion, je ne sais pas, motion infinie. C'est ça que m'a dit à l'heure, président, gagner une dimension d'homme d'État qui est fondamentale pour nous gagner. M'a parlé d'une question fondamentale qui gagne rapport avec logistique, avec rédaction de loi. Et c'est parce que nous connaissons normalement, quel que soit l'exécutif là, tout, est-ce que lorsqu'on loi, on se n'a pas pour encore une fois, n'a pas pour n'a pas président, non. Président, non. Président, président, c'est vrai, président, c'est vrai. Président, c'est vrai. Président, c'est président, c'est président, président, c'est un comptable, une minute, s'il vous plaît. Président, donne-moi une seconde. Président, en seconde. Est-ce que c'est sénateur comptable qui a dirigé le débat? S'il vous plaît, deux secondes, c'est sénateur comptable qui a dirigé le débat. S'il vous plaît, sénateur, 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 quittez. S'il vous plaît, sénateur, sénateur, sénateur. Sénateur, ok, très bien. Sénateur Kettler, question, loi sur le cadre, mon professeur. Président, s'il vous plaît, j'ai la parole. Vous dites ou quoi que vous êtes capable de dire sénateur Kanta, sénateur. J'ai la parole, m'a dit ça pour me dire. Sénateur Kettler, s'il vous plaît. Président, m'a dit ou quoi que vous êtes capable de dire ça pour me dire. Ça m'empêche de parler. Depuis que j'ai parlé. J'ai arrêté ça fait là. M'a empêché de parler. S'il vous plaît, quand même. S'il vous plaît, sénateur Cantat, vous n'avez pas la parole, et c'est le sénateur Kettler qui a la parole, et je demande, s'il vous plaît, et je demande au sénateur Kettler de rester dans les débats. Restez, pas aborder aucune question étrangère, pas aborder aucune question étrangère. Président, cependant, on peut toujours faire des parallèles, faire des approches, faire des remarques sur une situation donnée pour capable rentrer dans la question, dans le sujet. Nous sommes dans une séance de questionnement. Nous avons un ministre devant nous. Nous avons posé la question. Donc, président, chaque sénateur parle là, remarquez que la gouvernatrice du monde est arrivée dans la qualité. Et la question de la qualité était posée tout par sénateur. C'était sénateur. Frostin et puis sénateur Denis Cadeau. Moi-même, en tant que sénateur, chaque monde là a une sensibilité. Pas un sénateur qui a empêché personne de parler pour ici. Chaque sénateur a dit son qu'on est, d'après expérience, pas d'après connaissance, pas l'autre monde fait bagarre. En dans le Sénat,
moi pas contre la constitution, c'est tout à fait normal après que m'intervenir. Président, donc vous s'il te gagne président, il n'a rien dit de mauvais. Pas de monde qui a empêché de parler la président. Non, il n'a rien dit. Pas de monde qui a tiré parole en bouche cantante. Ouais, c'est clair. Mais moi, sauf que c'est parole en bouche monde. Sauf que c'est bureau qui vous paye. D'accord, président. Mais ma petite encore une fois, président, mettez monsieur le 4 lit. Et s'il va président, faire retirer monsieur. La bleuve, non, monsieur. Elle va bleuver, non. Président, la bleuve, sous le vent. Que c'est la bleuve, nous avons ici affaire. 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 Nous avons parlé tout le temps. Il y a la constitution. Pas fait ça. C'est vrai. Vous devez être affaire de constitution. Tout ceci, le sera. Il va être capable de faire. M'a parlé, président. Pas d'accord, parce que mon cadre qui est fini, là pour poser question ça, là pour poser problème non, là par exemple, loi à discuter là. Ok? Il n'y a pas qu'à poser là, président. On pas d'accord. Président. S'il vous plaît, il y a mon téléphone là qui. Président, si vous permettez, juste pour rappeler aux collègues, et Kédel Augustin et sénateur Cantal, que nous avons invité les autorités ici. Et non des moindres, le Premier ministre et deux ministres. Seulement ça. Vice-président, moi connais autant que vous, il y a des autorités de l'exécutif qui l'a. Mais en tant que bureau, qui les écart, nous pas supposé permettre. Et je pense que c'est Wallou en tant que vice-président pour que vous aidez le président dans le cadre de gestion, ça a fait là. Je veux dire, nous devinons. Pour que nous questionnions ministre après ministre sur question, professeur. Nous ne parlons pas de loi que nous avons déposé là, ni de constitutionnalité, ni de non-constitutionnalité. Nous pensons que c'est là où il débat. Il faut intervenir pour nous corriger les collègues pour nous dire que, en tant que monde qui croit le président de la majorité, le collègue a dit n'importe qui ça. Et il croit que c'est Sénat allié, il n'est pas Sénat. C'est au sénateur, même il y a tout sénateur. Question ça, la question qu'a fait le que n'a parlé de question loi là. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Et c'est ça, vous pouvez l'appeler. C'est ça qui est important. Ça te vous permettez-moi de terminer, président. Avec donc, moi, je voulais dire, monsieur le ministre de l'Éducation, à ce que ça vous faut que vous intéressez, et surtout, dans la dernière séance, que vous avez travaillé sur le hasard, moi, je voulais dire, dans quatre missions. Donc, président, il ne s'agit pas de ma loi, ici, président. Il s'agit d'une question. C'est une question qu'on doit soumettre au Premier ministre, n'est-ce pas, et au ministre de l'Éducation. En le cadre, c'était les professeurs. Ce n'est pas ma loi, président. Donc, moi, je voulais rappeler pour que les collègues-là, ils étaient dans le cadre de la président. Et je pense que c'est de voir nous en tant que bureau pour faire que les collègues arrivent dans le cadre qui est fini. Ça, jusqu'à présent, ça ne dit pas beaucoup déranger. Hein. Pour les qui ça, parce que nous avons une loi qui est recevable, assemblée à prononcer une fin. Nous avons un processus qui est en cours. Les considérants, les visas et les considérants sont déjà adoptés par l'Assemblée. Si cet article a été déjà voté par l'Assemblée des sénateurs, et demain encore, cette loi sera mise en débat. On va continuer avec le vote. Okay? Peu importe ce que dit le sénateur, en aucune manière, ils ne sont pas capables. Il va capable d'influencer l'Assemblée. Il va influencer l'Assemblée. Le ministre et le cabinet, son cabinet, ont eu à intervenir sur cette loi. Et voilà qu'il est en train, il me semble, qu'il est en train de reprocher à ministre-là ou à Staffli que la loi ça a été devenu sous lit, on a été fait le mal. Parce que la loi n'est pas constitutionnelle. C'est pas droit. L'Assemblée a dit le constitutionnel déjà. Il faut que nous rappelions, collègues, alors pour nous dire qu'il n'est pas l'Assemblée. Il n'est pas l'Assemblée. Et je dis à 4 circonscrits, le 4 discutoire, c'est les professeurs. C'est ça lié. C'est pas ma loi. Mais espérez que l'intervention du sénateur qui est telle pas intentionnelle. Allez. Très bien, sénateur. D'accord. Et ma boue dit encore, et monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous faites travail au niveau
de problèmes politiques et de gestion ça qui était posé là. Et maintenant on a encore plus dans nous-mêmes. Par exemple, moi je dis encore, lorsque m'apprendre côté travail sur une loi comme ça, il faut que moi dire que article 111 président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va continuer à faire intervention, le sénateur Cantab, s'il vous plaît. Le sénateur Kedler à la parole. Président, depuis que vous parlez de ça comme président, vous ne parlez pas de sénateur. Pour tout sénateur qui n'a pas respecté sa bureau en dit pour permettre qu'il y ait une sérénité dans la séance, nous avons des dispositions que nous avons adoptées contre vous. On rappelle seulement, que c'est du mot nous souligner qu'on fait un pile effort sur le plan politique et administratif, question professeur régularisation, mais sur l'administration toujours, sur l'administration un ministre. Pourquoi c'est sénateur du mot que ce deal. Tout ça n'a pas dit là-haut, c'est l'argent que nous gagnons pour nous faire. Qu'on parle de encadrement professeur, qu'on parle de régulariser statut, qu'on parle de l'amélioration qualité de l'enseignement, c'est l'argent que nous gagnons pour faire. Autrement dit, il faut que nous gagnions global ça qui permette que, en homme d'État, nous abordons des questions avec une approche globale et non pas concentrer nous sur une petite sphère côté de nos grands seulement, qui peut faire tête nos devs pieux de paradis sur terre et devant réalité à nos bazins. Je dis à Outini, ensemble de bureaux, ma ministre, un peu partout dans le pays, vous devez même pour que qui quantité compte. Que chaque gagne ça au payé qui était capable de permettre votre bagage fait. Sous thème qualité à fond, il souffre le président fini. Nous avons dit nous tout qui mesure qu'on peut prendre dans ce sens ça pour permettre que sur le plan administratif nous abordions la question ça. Ok, merci. Monsieur le président. Et on veut d'abord prendre une question. Honorable sénateur Sorel, même l'El Palap, et qui te pose problème pour un instituteur qui normalien, qui n'a pas deux pas à nommer. À la vérité, longtemps, pour être dans le système, là, ça n'a pas de grand pile pour nous qui te qualifier, de te admettre de vous faire ennemi, même si tu n'as pas deux capables pour ça. Mais ça a 3-4 ans, pas à la changer, il faut que tu deux. Donc ça a rentré peut-être même quand tu as parlé de VA et plan. Pour pension lui-même, nous avons plus passé 2000 cas nationaux dans la finance pour pension. Et ensuite, nous avons une politique de pension n'a pas encouragé la Caïmonio qui mérite l'âge qui revient dans l'âge pension. Là où nous touchons chèque là, nous demandons pour tout déposer pièce pour pension, pour tout prendre chèque là. Et nous commençons à campir le succès dans ce sens. Mon dernier étape là, c'est au niveau des finances qui pour libérer. Sous question Psugo ou NEC, avec FN2. Qui votait, bien que le vote avait problème là-dedans, parce que le gars, il n'y a pas de pose gap qui peut coexister là-dedans, qu'on y a un travail pour mettre pose gap à camper. Parce que normalement, en vrai, si le pose gap en voir, le pose gap a existé déjà, et peut-être déjà dans la commission en éducation. Mais je dis à là, on a travaillé sérieusement sous lui, et nous avons su avec Pronec,
faut que tout vienne nommé à partir de FNEA. Et maintenant, nous avons l'autre question toujours. Depuis l'école ouverte, directeur de Suzanne Ndemdoula, je passe l'instruction pour tout le monde qui a un contrat depuis 10 de temps pour transformer le contrat actuel en monde qui nommé. Et grand pile qui est en fait dans déjà. Même si tout pour fait, mais nous tiens à ce que des gens qui ont des profils pour nommer, il n'y a pas un éternel contrat actuel. Bon, maintenant avec les amis, mes confrères, le sénateur Dumont. Et sénateur Dumont, actuellement, dans la parole à l'âme, d'ailleurs, a travaillé sérieusement dans le ministère pour sous-question et conseil école. Donc, un gros travail qui a fait là-dedans. Pour un gars, sénateur Dumont, pour le mal à très bien, tout ça, vous devez venir faire. Maintenant, le dossier vient, vous ne pouvez pas plus le temps dans le coup de compte. Film n'a déjà là pour le faire travail là. Là, nous, elle peut commencer. Nous, il commence sans l'argent. Là, elle commence sans l'argent. Là, elle ne va pas toucher. Il vient de copier. Même quand on a le bon travail. Donc, question est gars. Lettre nomination, directeur qui est passé dans le concours, il a fait longtemps. Donc, incessamment, il peut venir. L'autre qui vient là. Parce que tout le monde qui est dans le concours pour lycée, nous avons besoin de tout le monde. Mais pas un gars qui a venu tout. Mais il a fait longtemps. Et pour l'autre question, c'est. Oui, non, FNA a promulgué, oui, il promulgué. Maintenant, ça fait le promulgué, ça fait nous comme conseil d'administration. Oui, c'est ça. C'est pour ce gâte-là, nous avons campé sous pied l'action là. Donc, institution qui est citée là-dedans. Et puis, on a le vin avec le conseil d'administration. Maintenant, sous question, bon, il est vrai, tout le monde connaît, et à plusieurs, ni femmes disent ça ici, ni dans le conseil des ministres, nous n'en disons 9 ticailles. Il y a 11, c'est le ministre qui paye. Nous d'accord, on dit 40% aller dans l'administration. Et ce problème, tout, au niveau de l'État, qui travaille sérieusement pour si nous résoudre le problème, ça, pour le ministère au local. Parce que je veux dire, c'est plus gros problème. Et nous devons faire mieux en tant que ministre. Si nous seul espace, nous devons tout le monde. Imaginons, mal visité 19 ticailles chaque jour, nous devons faire comme si on est même. Donc, les bagages qui ont échappé à contrôle, ça fait des fois des inspections qui nous prennent pour faire des inspections pour moi. Nous sommes capables de dire tout sur CFF là. Pendant que je suis avec le directeur CFF là, et je prends la radio, nous avons une séance de travail dans le Cameroun. L'entend des questions, manifestations, l'entend information, tout problème de résoudre pendant que manifestation sont faites. Et il y a une conscience de ça. Tout. Donc, tu as 2 ou 3 ans en venant comme ministre, tu as plus de problème au niveau CFF. Et vous êtes capable de dans CFF, je suis directeur général là pour toutes les informations. Tout bagay fait, nous l'étions contre avec à plusieurs reprises, nous l'étions avec directeur général ministère et tout pour être sous I. Donc même si nous ne finir résoudre tout tête, mais quand pile qui commence à toucher, nous remettons tout. Même mon commission pour qu'on soit capable de toucher. Et il est vrai que, donc maintenant, sénateur Augustin. Non, oui, il était pris en cas de nomination l'abdi, donc c'est l'entre dans le même cadre général nomination qu'a fait là-haut. Donc ben, pour moi-même personnellement, je ne connais pas. Donc pour moi, je ne connais pas tout non-relève dans notre bain. Donc c'est une cité là, mais depuis c'est l'école nationale, c'est l'entrée dans le même cadre, nomination qu'a fait pour tout le pays, parce que nous dit, nous tient à ce que tout le monde dans la salle de classe, il faut qu'il arrive nommé et toucher tout. Maintenant, pour le sénateur Augustin, nous sommes capables de dire que nous connaissons nos pays en développement que l'Haïti. Là, nous n'avons pas en développement que l'Haïti. Ou pas capable d'aller plus loin sans pas de formation technique et émotionnelle. Nous portons un pile accent sur lui. Parce que nous pile carrément l'aide, ça, là, c'est l'aide qui est dans la formation technique et émotionnelle. Et en plus, il y a plusieurs réunions qui ont déjà faites entre recteurs de l'Université de l'État d'Haïti, avec tout recteur de l'Université plus grande région, sans affaires et propédétiques qui s'allient pour nous voir comment les gens ont fait philo. Il n'y a pas besoin de prendre juste 4 ans. Pour l'université, il est capable d'entrer dans un cycle court qui est ouvert sur l'emploi. Donc, c'est ça qu'on a fait avec IEH et UPR. Donc, il a peut-être campé en fonction de raison il y a. Il y a des zones, c'est l'agriculture, il y a des zones, c'est la pêche. Parce que mon cas, récemment, mal visité dans Oukaï, au laboratoire agricole, qui a très bien marché, et nous avons pris ça, nous multiplions de l'autre côté. Nous avons dans le nord-ouest, nous avons mis d'accent sur la pêche, nous avons zones en bas, nous avons mis d'accent sur les touristes. Mais chaque zone pour aller va développer la donne pour nous rendre une formation technique et professionnelle. Et nous, actuel directrice là tout, il y a un pile plan qui montait sous question ça.
et sous sa fait qualité éducation. Il est vrai que malheureusement nous jouons un héritage qui est assez lourd sous plan conjoncturel, mais ça ne veut pas dire que nous pas agi sous plan structurel. Et seulement la conjoncture est tellement et au quotidien, il n'y a pas tellement parlé de ça après sous plan conjoncturel et structurel de préférence. Sous plan structurel, depuis l'indépendance pays d'Haïti, c'est la première fois que nous avons un curriculum sous préscolaire qui a expérimenté. Dans quatre départements, on va nous généraliser. Nous finissons de préparer, de valider, qu'on a en expérimentation. Parce que nous disons, si pour améliorer la qualité de l'éducation en Haïti, il faut commencer par la base. Et pendant longtemps en Haïti, nous avons négligé si vous ne pouvez pas. Or, lorsque vous avez une caille, il faut que la base d'abord, d'abord, pour que nous avons une caille qui est solide vraiment. Nous avons tout, nous mettons sous pied déjà, qui est déjà validé, une politique nationale de formation pour enseignants avec pour cadre dans le système. Donc, qui commençait à expérimenter tout. Mais, j'en te dis là, n'a pas besoin plus d'argent, parce que même nous mettons en compte tout avec UPRO pour nous capables de faire face à ça dans tous 10 départements pays. Mais tout bagage est en clair sur ça. Nous travaillons tous sur le plan décennal. Malheureusement, le plan décennal, ça prend plus de temps pour accoucher. On va être gros expecteur dans le. Mais là, nous pouvons plan décennal là moi, pour faire validation et pour consultation sociale et tout, nous constatons deux bagages. En tant qu'enseignant de carrière, moi que en dans le plan décennal, ça, le problème n'est pas tellement bien identifié. Deuxième, ça vient là dans le tout. Donner au banc dans le plan décennal là, moi au désuète. Et c'est exactement rapidement, on prend un appel qui sont structurés qui l'abrouent de ces l'étendance avec l'éducation pour prendre des experts pour corriger rapidement le plan décennal là. Et l'elfine, même il est à peu corriger, nous pourrons faire consultation sociale pour nous valider le plan décennal ça, qui sont plans qui, ouais, qui gens pour l'éducation pour 10 prochaines années. Même si le gouvernement s'appelle à l'aller, le président allait. Mais dans le cadre continu de l'État, pour nous quitter un bagage, pour continuer pour résoudre tout problème qui est dans le système éducatif haïtien. Nous mettons campé tout, bon, c'est semaine passée là, nous sommes fait un table sectoriel en éducation. Côté tout acteur social qui était là, pour nous venir poser problème d'éducation et bagage ça qui est très loin. Parce qu'on avait tout partenaire technique et financier, tout directeur technique, un pilote pour la société à tout, et nous avons invité. Et commission éducation et sénat commission éducation dans chambre bastat bon et dans même bagage ça qu'a fait là pour de tout secteur était là nous que tout nous capable dire sous même cadre ça nous mettez campé aux activités pour nous comment nous capable développer et bien savoir timoun yo savoir faire timoun yo et notamment développer compétences parascolaires et extrascolaires timoun yo. C'est en ce sens à plusieurs reprises, nous faisons des concours de production littéraire à plusieurs reprises. Et actuellement là, nous avons tout le monde déjà invité, vendredi 4 ou 6 heures dans le village, côté nous allons découvrir le talent jeune nous dans le pays. Côté nous allons lancer un concours de chant patriotique sous drapeau à travers tout le pays. Et je dis à là, nous avons 12 écoles à travers tout le pays qui qualifient. Sous 12 à 23, c'est final par le fait vendredi. Et moun qui constitue le jury, qui sont des musiciens très connus, tant que Evelyne Michel, BIC, et Jean-Jean Roosevelt, et Bello, et Tamara Suffren, qui ont saisi la production de Timoun Zaou. Et M. Damio Dim, qui a des musiques qui ont fait. Les gens posent une question, c'est eux-mêmes qui composent ouvrir, ils ne vont pas voler rien, ils ne vont pas imiter rien. C'est production initiale de Timounio. Monsieur Damio dit qu'il saisi parce que il senti vraiment qu'un pile de Timounio a dépassé. Et comme nous, nous avons appris direct vendredi de 4 à 6 heures dans le village. Et trois sacs bon eux-mêmes, ils vont le performer à Kaye, 18 mai. Donc après, comment on a travaillé pour développer non seulement savoir Timounio, mais savoir faire Timounio tout. Et c'est ça, c'est comme ça pour nous améliorer la qualité d'éducation avec formation des maîtres. Repenser l'école, innover dans l'école. Malheureusement, j'en dis là, toute journée, il y a parlé de ça qui a fait sous plan conjoncturel, plan structurel là, lui-même, il y a un caché. Mais n'a fin résoudre tout problème conjoncturel là, nous avons fait final pour résoudre, les salariés chita uniquement sous affaires structurelles. Merci. Il reste trois derniers intervenants. Merci.
Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Avant toi, dernier intervenant, il paraît que le sénateur Cantal a compris. Non, je dois dire. Très bien. Alors, il y a d'abord le sénateur Foucan, ensuite le sénateur Salomon et le sénateur Senatus. C'est dans l'ordre de t'inscrire. Ah, il y a le sénateur Fétier, excusez-moi, s'il vous plaît. Le sénateur Fétier. Et en dernier lieu, il y a le sénateur Senatus et le sénateur Sildor. Ah, le sénateur Cantal, encore une fois. N'a pas des premiers ministres, non? Si, vu que moi, débat centré essentiellement autour de ministre éducation nationale là, et OMRH, si premier ministre, non, avec bien sûr la permission de l'Assemblée, vu que le dit moins que à 8h30, les gains pour les déplacer. Si l'Assemblée a permis, vu que moi c'est pour le ministre de l'Éducation nationale là, essentiellement qui est concerné par une série de questions, yo, si ça va déranger, non, moi-même, je suis capable de libérer pour le avant qu'il s'en aille. Pas maintenant. Eh bien, le premier ministre est forcé de rester okay. En attendant que tout sénateur intervienne. D'abord, le sénateur Foucan. Président, je vous remercie, moi c'est mon bureau. Et M. le Premier ministre avec le ministre. Et le Président, il ne soucie pas moi. Souci personnel pas moi, aller plus loin. Souci personnel pas moi, aller côté moi, société a dégradé. Et dégradation société, hein, il n'est pas venu tout simplement de qui j'en jeune, il a éduqué jeune, bien on laissé aller des parents. Pour nous travailler sur laisser aller des parents, nous avons aimé qu'on est en première phase, c'est la question PAM là. Qui ça a passé alphabétisation? Qui problème lié pas sentir même du tout? Et deuxièmement, nous avons aimé ajouter sur alphabétisation, les grands pilots ministre, je ne pas sentir. Je ne pas sentir grand monde, j'en ai commencé, il y a éduqué grand monde. Et nous avons éduqué grand monde pour mettre une sorte de savoir vivre, une sorte de social pour que grand monde comprenne qui vient pour contrôler les gens qui ont dégradé là. Parce que je n'ai pas dégradé. On parle, on pense à elle. Quand on pense à elle, là, lui-même c'est l'autre bail qui est dans la tête, il a dégradé net. Il n'y a pas qui vient pour le vivre, il n'y a pas qui vient pour respecter le monde dans la rue. Mais même ça, c'est préoccupation par mon grand monde, ça, pour qu'ils savent sentir que l'alphabétisation lague, il n'est pas fait même genre encore. Nous pas senti qu'il y avait éduqué grand monde, que vous voulez mettre grand monde dans le bain pour qu'on comprenne ça, si vous avez dit, pour le petit monde qui a étudié un bagaille, pour ne pas chanter, la chanter musique, barricade, pour que vous ne pas comprendre. Ça veut dire que tout ça, c'est un bagaille. Deuxième bagaille, c'est pour vous, même chaque ton vina, quand pile, nous toujours disons seul bagage PM. PM, l'autre, toujours tout PM, mettre l'autre dans le pays à PM. Mettre l'autre. Bah, vous voulez ajouter nous? Mais dans ton longtemps, tu es contre l'autre. Plus ou moins. Je te compte faire des autres par eux, mais tu es contre l'autre. PM, ma première dose encore PM. Bah, vous dit qu'il t'en entend, non? Pour ne pas dire Samia. Et ma pourri Samia. Mais PM, mettre l'autre dans le pays. Qu'on mette l'autre dans la circulation, qu'on mette l'autre dans ramasser Fatra, mais PM n'a besoin, le pays a besoin de l'autre là dans PM. Ministre de Justice, et Mabdo merci, devant tout le monde Mabdo merci, même Mabdo pour qui ça, Mabdo merci, on compte pour qui ça, Mabdo merci. Ministre, gen un bagay, m toujou mande la, yo pa jan bon mwen. Et pour qui ça, m toujou mande, yo pa jan bon mwen. Na éducation, c'est pas vrai? Na éducation. Non, ba rapide, de ministre finance. Non, c'est éducation, non, sinon... Président, une fraction de seconde, c'est tout ba ma pour appeler pour le travail sur l'éducation. C'est sous l'amour. Éducation. C'est l'amour qui a tout mon pile, c'est l'amour Thierry Gardel que vous rejoignez à Barouzita Souli avec l'amour Pessimodissa.
Oui. Tant pis, prends ça à cœur moi pour le résultat, l'obtenir ici, hein, s'il vous plaît. Très bien. S'il mais, vous plaît. Mais quelque chose à l'étranger au débat. Non, tu rappelles ma première qui m'a demandé tout le temps que je vais demander. Oui. Mais sinon, n'a pas. C'est trois questions posées seulement, ça seulement posé, ministre. Je travaille sur ça, moi seulement. Merci beaucoup. Ballon, même pas. C'est le ministre n'a pas tenu pour répondre à cette question, ça. Sous question. Cette question posée là, il n'est pas tenu pour répondre. Sous question Père Simonien, ensemble avec Thierry Gardel, il n'est pas tenu répondre à question ça. Là. Non, je ne vais pas demander une réponse pour lui. Non, c'est trois autres questions. Je vais juste demander, la prochaine fois, la venue à mes choux, que je vais toujours demander ça pour que j'en bon rapport. Et ça, je vais demander, président. Je vais demander une réponse à très bien. Première question, je vais demander, c'est soit faire et alphabétisation. Très bien, très bien. Et après ça, l'autre question, pour qui ça va mettre l'autre dans le pays là? C'est ça seulement. Non, et l'autre dans le pays, il va dans un débat là. Et, c'est la terre Salomon. Beaucoup, monsieur le président, et distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, monsieur de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, et les autres cadres supérieurs de l'État, ici présents. Pour la M a salué courage avec détermination, ministre éducation, professeur Agnor. Mais cependant, je conseille pour ne pas dormir sous l'oreiller, continuer le travail. Et la nation se doit une fière chandelle. Moi, j'ai intervenu sous plusieurs points qui concernaient l'éducation. Mais avant tout, monsieur le ministre de l'Éducation nationale, moi gagne une oléance pour le département Sud-là, qui concernait directeur adjoint et directeur départemental adjoint du ministère de l'Éducation nationale. Là, il s'agit du professeur Claude Bernard, qui nommait, ça fait plus d'un an, mais cependant, il n'est pas jamais capable de toucher. Monsieur le ministre, m'espérez que. Vous prenez un petit note sur ça. Le professeur Claude Bernard, le directeur départemental adjoint. Vous m'entendez vous parler de ONEC, moi voyons rapport sur Psugo, mais si je ne me trompe pas, tout le cas de Poney. Pas qu'on est si vous faites un petit rappel sur ça. Parce que des problèmes dans le secteur, ça tout. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, en dépit de courage ou de détermination, de compétence ou, moi permettre moi poser des questions à et en présence du Premier ministre, là, puisque le concerne l'éducation, dans quel niveau dossier kit scolaire là, lié. Deuxième point que je vais aborder, gagner kit scolaire là-bas dans ça, non? Il va toujours attirer la personne. Le ministre de l'Éducation nationale a bien compris. C'est à faire l'école libre. Donc, il y avait un scandale au niveau du gouvernement. Et scandale ça a circonscrit. Étant donné que. Justement ça, je peux continuer, monsieur le président. Le sénateur Salomon a la parole. Mais cependant, on a toujours. Rappeler que nous avons circonscrit l'invitation. Mais si nous avons abordé de façon large la question de l'éducation dans toutes composantes, toutes baïnettes, etc., de ça, on doit toujours programmer une autre invitation. On doit toujours faire une autre invitation, adresser une autre invitation. Mais là, nous avons parlé de salaire, enseignant, professeur, écoute, etc. C'est le problème ça que nous avons posé et c'est pour ça tout que nous avons fait l'invitation, je veux dire. On va continuer, monsieur le président. Allez-y, c'est un peu ça. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, l'autre point que l'on a abordé avec vous, c'est la question de cantine scolaire. Là. Il y a un petit proverbe qui dit votre codé, pas les oreilles. Votre affamé n'a point d'oreille. Et le sénateur Sénatus vient le dire autrement. Je ne comprends pas
moun bral l'ekol, paran pa gen posibilite pou l'manje. Konstitisyon di ke tout si moun gen doa edukasyon, e ke ti moun sa a, la fè jounen san manje. Eske ou ti moun kap fè jounen san manje, kapab apran, malgré tout jè fò ke nap fè pou nou ameliore kondisyon ti pepl la. Dans toute l'école, particulièrement dans le département sud blanc que je présente, la question de la cantine scolaire n'a pas existé. Monsieur le ministre, je connais un corps qui investit pour la question de la cantine scolaire. Qui côté l'agence a passé et qui problème qui a qui fait que Timounio n'a pas bénéficié de programme cantine scolaire? Est-ce que vous notez pour moi, monsieur le ministre? L'autre point va aborder avec vous, nous avons une question de transport. En nous prenant exemple, bus dignité scolaire. Monsieur le ministre, dans le département sud, particulièrement dans Chantal, dans Saint-Louis, dans Torbec, et j'en passe, bus n'ont pas qu'à fonctionner parce que n'ont pas qu'un caoutchouc. Il n'y a pas de pneus dans les bus assurant le transport des élèves. Et là, nous pose le directeur général dit en question, il dit que c'est au niveau de finances. Ça, c'est un gros problème. Et son manque à gagner pour le gouvernement. Pour que ma PD ne fait travail. Là. Et ça, t'as souhaité, monsieur le ministre. Comme enseignant de carrière et père de famille, vous prenez ça en considération. Ma continue. Ok, m'entendez que loi sous fonds national d'éducation, les promulguer, publier. C'est bien. Mais m'a salué, m'a tout profité de saluer qualité d'intervention, sénateur Dumont, tout à l'heure, sous question fonds ça. Le gouvernement est en train de combattre la corruption. Et le président l'a si bien dit, pays a gagné 5 problèmes. Corruption, corruption, etc. Mais, l'épine dorsale au niveau du combat contre la corruption, c'est la transparence. On ne peut pas combattre la corruption si pas de transparence. Et la charité bien ordonnée commence pour soi-même. Est-ce que son ça, c'est pour une véritable caverne d'Ali Baba? On tout s'en fout. Monsieur le ministre, je vais vous donner une explication sur ça. Je vais permettre que je termine. Gagner question formation professionnelle que le sénateur Augustin a abordé. Quoique, mon collègue Sildor, mon collègue Jeunesse du Sud, il a laissé une fameuse correspondance, eh bien, à responsable sur ça, je vais vous donner une projet Brésil Teclan dans le sud, dans qui point lié. Et ça fait le parcours des maris. Je termine, effectivement, monsieur le président. Je comprends que le ministre a fait un pile et faux. Mais, le nous garder environnement, atmosphère qui gagne, hein? Est-ce que vraiment n'a pas avancé ou bien si n'a pas marché à reculant? Est-ce que nous pas marché à reculant malgré tout effort qu'on a fait? Manifestation dans la rue et nous t'es un spectacle nous sommes vivre là l'autre jour là Boutmeyan, la Saline. C'est triste monsieur le ministre. Et étant donné que le Premier ministre a bien pour l'aller à 8h30, monsieur le Premier ministre, permettez. Il y a une correspondance que mon grand frère, le sénateur Sénatus, est adressé à Bureau Sénat. Et Dieu seul sait combien de fois il a répété et récidivé, si vous me permettez. Il a fait feu de tout bois pour que le gouvernement bat explication sur 120 millions. Et puis, dollars américains
qui dépensait pour acheter matériel, engin lourd, dans la question caravane. Monsieur le Premier ministre, dans un pays côté que prix manger a grimpé, alors que le salaire ouvrier est bloqué, ça n'a touché pas même suffi. Je parle de tiers-employés. Et vous gardez mon ouais, 1000 gourdes que vous prélevez. Monsieur le Président. Monsieur Accordé. Et moi comprendre position collègue Salomon. Mais m'estimer que la question de caravane, de corps qui achetait matériel, il pas à l'ordre du jour. Il t'a demandé, collègue Salomon, réserver question. Dans l'autre occasion, lorsque l'on a décidé, inviter le Premier ministre sur question Salomon. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je ne savais pas que l'actuel président du Sénat s'appelait le sénateur Cadeau. Il est quand même sénateur et est capable toujours d'estimer que, disons, la pertinence de une remarque ou une intervention dans un moment où effectivement nous besoin. Et je termine, mais ça permet quand même qu'on finisse avec intervention. Là. Je ne m'adresse pas au ministre de l'Éducation nationale, je m'adresse au Premier ministre qui est là pour répondre à certaines questions. Il n'a sans ça à poser la question ça. Monsieur le Premier ministre, je ne vais pas trop charger où. Il y a un rapport qu'on produit, disons, le gouvernement produit, sous question état d'urgence, qui est déclaré sur tout le territoire. Monsieur le Président du Sénat, m'a tout profité pour réitérer demain de moyen pour que le rapport ça a, qui vient de nous, pour nous gagner une séance spéciale avec le Premier ministre, pour capable de défendre le rapport ça. Pour nous connaître qui quantité l'argent qui dépensait dans l'état d'urgence. Merci beaucoup. Très bien. Avant peut-être que nous passions la parole à le sénateur Fétière, nous pouvons permettre à sénateur de prendre connaissance de correspondance que nous avons adressée par le Premier ministre et qui lui-même est accompagné de l'ensemble de ministre et directeur général. Pour nous dire que toute correspondance que moi-même en tant que président Sénat, moi adressé par un responsable de l'exécutif là, pour invitation ici à dans le Sénat, moi fait lui sous demande d'un président en commission. Et si le besoin se fait sentir, le président Sénat lui-même personnellement a qu'il doit faire dans ces circonstances bien particulières. N'avait demandé collègue Sildor pour lui les correspondances que nous avons adressées par le Premier ministre dans ce sens-là, en façon pour ne pas mettre bureau dans une situation inconfortable à chaque fois. Parce que gestion du bureau comme nous trouvons maintenant là est extrêmement compliquée pour moi. Alors, nous avons vraiment que nous comprenons une situation PAM. Parce que d'un côté, il faut gérer l'Assemblée des sénateurs, il faut gérer les sénateurs, et en même temps, en tant que président Sénat, prestige moi et personnalité moi, l'irrité tout à travers l'engagement que m'apprend, que nous m'en débrons. Alors, m'apprendre le collègue Sildor pour les correspondances que m'a adressé par le Premier ministre. Très bien, Président. République d'Haïti, le Sénat. Bureau, le Président. Référence SRH-SP-JL-5236. Docteur Jacques Guy Lafontaine. Premier ministre en ses bureaux. Pour au point, c'est 25 avril 2018. Monsieur le Premier ministre, le président du Sénat de la République accuse réception de votre correspondance en date du 24 avril 2018, par laquelle vous informez que vous et le ministre invité ne pourrez pas vous présenter au Sénat ce mercredi 25 avril 2018 en raison de la tenue du Conseil des ministres avec votre nouveau gouvernement. Le bureau déplore ce contretemps, d'autant que c'est pour la troisième fois que, pour des raisons diverses,
pour décommander une réunion de contrôle parlementaire sur le sujet irritant de la problématique du corps professoral. Il a précisé que vous puissiez finalement honorer ce rendez-vous le mercredi 2 mai 2018 afin de permettre aux sénateurs de débattre avec vous et les ministres concernés de ce dossier. Le président du Sénat de la République saisit l'occasion pour renouveler, Monsieur le Premier ministre, l'expression de ses patriotiques salutations. Joseph Lambert, sénateur de la République, président. Merci. C'est un simple rappel pour solliciter les honorables collègues sénateurs en certaine compréhension de l'ensemble des démarches que le bureau a fait sous demande commission et qui en même temps capable de mettre le dos dans une situation embarrassante par rapport à responsable exécutif que m'invite. D'ailleurs, même encore une fois, si nous avons circonscrit l'intervention dans le cadre comme des cadres, ça qui était fait objet correspondance que nous-mêmes, commission, demandons pour adresser les bails concernés. Merci beaucoup. La parole au sénateur Fétia. Merci, président. Moi-même, et contrairement à Ecofrem et Patrice Dumont, je voulais féliciter le ministre de l'Éducation nationale qui a pris le courage. Envers et contre tous, une chape bataille. Seul mourir, nous ne pouvons pas dans les conditions. Si ce n'est pas pour ça l'affaire que seul mourir. Donc, je crois que M. mérite félicitations. Moi-même, j'ai essayé plus ou moins pas jamais entrer dans ce qu'a fait en éducation, parce que moi, je voulais que lui fasse travail sans pression parlementaire. Je ne crois pas que moi, j'aime. Vint dit, M. Bam, ni une nomination. Parce que moi, je crois que au travail de nettoyage qui vous fait. Et, département Nord, besoin de gros travail là-dedans. Jusqu'à présent, dans la salle de classe, il y a des professeurs qui ne sont pas venus à toucher. Ça, son fléau lié là nord. Je ne sais pas si vous faites un contrôle sur le bagage. Vous n'êtes pas venu, vous êtes touché. Quand je dis au professeur Noyo, avec ses employés, ses gardiens, que retourne pour prendre patience et que vous avez touché quand même. Quoi il y a? La qualité de l'éducation. Depuis table à m'a parlé de qualité d'éducation et d'éducation, mais il y a un bail que je m'attendais, le préscolaire. Effectivement, le premier ministre qui vient avec là. Où est-ce que le préscolaire pas bon? Qu'est-ce que ça va faire après à pas bon? Donnez-moi un enfant de 0 à 7 ans et je vous fais l'adulte de demain. Donc si nous ne réglons pas les préscolaires là, pas compter sur qualité. Et ça, c'est un bagage qui est important, parce que moi, que c'est une négligence totale pour le préscolaire. Et c'est là que pour tout le monde formé pour demain. En tout cas, ministre, vous avez besoin de moi. Je vais continuer comme ça. Moi-même, moi, toujours que je suis pomme, parce que tout ça qui vient aller vers et la qualité de l'éducation, moi, pour lui. Premier ministre de la Justice, Sûreté et Sécurité. Je ne vais pas dire rien encore. Sinon, ça qui fait le cas, c'est que si tu fais une sûreté. Parce que, faut que. Les gens qui dirigent nous apprennent et viennent étudier ça qui est là. Et comme dit ça, les conjonctures, côté pour plus de sécurité, qui le
pour que vous venez lâcher. Donc, ça c'est sur terre. Faut nous toujours regarder qu'aujourd'hui, ça n'a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Et puis là, ça nous apprend qui est pour nous refaire la sécurité ou pas. Moi, je crois que c'est un relâche des forces de l'ordre. Mais sur terre, si nous ne pouvons pas pour lui, pas de changement de sécurité. Merci beaucoup. Si, sénateur Sénatus. Merci, président. Merci, membre du bureau. Président, moi, fais effort pour m'arriver là parce que je ne pensais pas de séance. Je vais lancer 14 appels sur le forum pour me déconner. Est-ce que nous avons c'est un jour d'IA, je ne vais pas avoir une information. Merci. On rappelle aussi, sénateur, 14 appels, 14 rappels. Même bagaille. Même les Béléas, oui. Dans 1 minute. 8h32, oui. 8h33. Oui. Et parce que. 14 rappels. L'insistance, président, c'est justement. Mais en 1 minute. Oui, non, regardez, en 30 secondes. C'est pour me répondre. Ouais, et pour me donner une réponse du roi. Pour me connaître, puisque mon sénateur était en région, en fait. Nous te faisons réponse quand même. Besoin, ouais. Nous te dis à 2h. À 2h, le président l'a pris ici, à tout le monde qui est là, qui travaille avec nous, je vais y aller. Je vais y aller, oui. Secrétaire, pour nous appeler, je vais y aller. Et comment il faut? Je vais me faire vérifier. Lorsque je vais vérifier, c'est après, je ne vais pas apprendre. Je vais me faire la caille, je vais apprendre aux États-Unis qui dit que la presse est en Salvador. Je vais casser tête tournée. Donc, venir. Sénateur, s'il vous plaît, comment en direct, et que quand même, c'est ma président Sénat, en information du genre, si moi j'étais, comme des cadres sans réaction, c'est comme quoi ma question. Et sous bazar, pas de personne employé Sénat qui a droit de déplacer quitter Sénat, si président Sénat, ou à défaut le vice-président du Sénat pas instruit secrétaire général là pour bien en bon. Et yo encore là ça c'est administration président et appel nominal là il commençait autour de 3h jeudi à 3h appel nominal oui donc pas appel nominal c'est qu'a commencé séance parce que sénateur là séance a commencé autour de 3h non et ça c'est un appel nominal et c'est en première jeudi à oui président. Mais ça n'est pas peut-être avec le bureau, moi-même, je souhaitais que notre organisation nous ait plus d'informations. Parce que moi-même, je suis venu, je suis venu au bureau, et je suis depuis à midi, je suis sorti à la zone 5h, je suis venu avec un problème. Je suis venu pour mon travail. Je suis venu travailler. Mais ça a étonné encore une fois. Oui. S'il vous plaît, c'est un peu. Et je dis à 2h, notre bail est là, président. Non, il y a 2h. Nous allons pour nous résoudre et nous allons nous résoudre dans la conférence des présidents. Parce que si on dit à 2h qu'on a travaillé, si un sénateur vient à 2h pour qu'on travaille, si je viens depuis midi, je suis disponible, c'est pas qu'on commence à 5-6h. Laisse-moi souffrir. C'est un problème sur le monde là peut-être qu'on a fait mal. Parce que m'estimer que nous fonctionnons en homme d'État, ça ne va pas être solide, on questionner. Ça nous besoin, mais quand même, important quand même, bon pour ton précision. Quand même, bon pour ton précision. Moi, j'estime que tout sénateur nous toujours fait annonce pour nous dire qu'on a commencé à 2h. Oui. Sénateur qui là? Toujours là. Sénateur qui, des fois, tout en retard. En retard. Sauf que, seule limite que le président Sénat a gagné, c'est que lui, il n'est pas capable, lui-même, pour le faire de gendarme, des sénateurs qui ont une responsabilité. Alors, chaque effort que m'a fait dans le niveau PAM. Je dis à moi-même, job priorité qu'on a fait, même pas les faits. Parce que c'est des sénateurs à part entière qui l'ont. Ouais. C'est pas qu'être grand monde, pas capable moi-même, pour me courir à gauche, à droite, tant pris, vite pour me courir, etc. Ça, moi, je ne sais pas. Les sénateurs, moi, il suffit que m'annonce ces séances-là, sénateur a gagné pour devoir, pour responsabilité, pour financer. Et comme d'habitude, donc on retrouve dans la salle là, toujours avec les mêmes têtes qui sont toujours présentes. Et pour l'édification du grand public, on trouve une équipe de sénateurs, de sénateurs Salomon, sénateurs Dumont, toujours joué, nos sénateurs Cantal, sénateurs
les mêmes sénateurs, c'est eux-mêmes qui toujours là. Alors là, il faut que moi toujours en mesure pour me faire appel là. Oui, président, je comprends. Avec vice-président qui vient, ou cherche un grand nègre en bas là, ou fait monter pour beaucoup d'hommes. C'est anormal. S'il vous plaît. C'est anormal. Or, je suis bien content aujourd'hui, hein, c'est le président de la majorité à Chita Bokoto. Si la majorité ici, il faut que le président de la majorité a parlé avec ma majorité pour venir travailler. Il est anormal qu'on a pris un privilège de l'État à nous. Nous tous viennent toucher les gens qui viennent toucher. Nous prenons propre gaz là, nous prenons propre gaz là et viennent venir travailler. C'est anormal. C'est anormal et ça nous-mêmes, nous avons un enrichissement illicite. Et si mon droit civil m'a dit enrichissement sans cause, parce que vous touchez pour mon travail qu'on va faire. Donc c'est anormal. Très bien. Président, merci beaucoup. S'il vous plaît, quand même. Ah non, quand même. Et si vous sénateur qui n'a pas bureau, quel qu'il soit, on commence à voir le président, qui n'a pas fait job, lui, j'en le fais. Responsabilité que le déploie devant nous pour venir chercher votre main, nous pour élu dans le bureau. Ou l'assemblée, c'est évoqué. Ou l'assemblée sénateur, c'est témoigner de insatisfaction par rapport à nous dans le bureau, à quelque niveau que ce soit, et pour voir remplacement. C'est moi-même, je prie pour me faire tout si moi-même faillis à l'obligation. Je demande à chaque sénateur pour prendre responsabilité. Je vais te bouquer de l'air, président majorité. On continue, président. Président, je remercie le fait qu'on prenne la parole et je salue le Premier ministre avec deux ministres qui accompagnent le coordonnateur général au MRH et l'autre membre cabinet qui est là. Je pose des questions que je ne sais pas quoi le ministre va répondre sur lui, puisque faut circonscrit des démarches et séances de travail aujourd'hui dans le cadre qui est déterminé et je ne sais pas faire des autres. Cependant, mercredi dernier, je suis pas pour me arrivé ici pour me capable de poser ministre quelques questions. Malheureusement, je n'ai pas de fait. Next à militaire. On s'est d'accord pour parler de la 18h30 dans le travail. Vous bon? Président? Oui, c'est là pour parler. Est-ce que vous. Président, je devrais venir sur une question à ministre éducation nationale là. Pour moi, je prends note pour nous, pour plus prochaine séance de travail qu'a fait, soit en question orale au gouvernement ou en commission, pour le cabine à lumière sur les pour nous. C'est qui ça, lycée Jean-Jacques Dessalines, fait l'État haïtien? Qui ça, lycée Jean-Jacques Dessalines, fait l'État haïtien? Lycée Jean-Jacques Dessalines, qui est un groupe petit monde dans la présidence, des centaines, même pas des milliers d'élèves, qui vivent à une frustration, comme des élèves qui rejetés par l'État haïtien, qui stigmatisés par l'État haïtien, qui stigmatisés par bien d'autres personnes, par le simple fait que dans le lycée, que les lycées Jean-Jacques Dessalines. C'est anormal pour nous à éduquer Timoun, qui prête pour venir sénateur, qui prête pour venir ministre, qui prête pour le premier ministre. Pour Timoun, depuis souvent l'école, là, pour qu'on ait par aimer. Pays a par aimer. Et traitement après ce voir montrer vraiment que vous par aimer. Vous faites un pile effort. Effort pour l'oreille, il y a presque tout concours qui a fait sous grande école qui est dans la ville. Là. Effort pour toujours qu'il était toujours haut. Effort pour pas prendre la rue pour faire des manifestations. Même j'en pile l'école qu'on a pris la rue à des manifestations. Je dis que je vais lycée Jean-Jacques dans la rue. Là. Pendant qu'il a souffri en pile, en bas au soleil, les lapins tombés, ils ont inondé. Le pari la pluie, soleil la touille la chaleur, mettez des ventilateurs, il n'y a pas qu'à travailler. Même tu as bien aimé, ministre comme un directeur d'école, comme un professeur que nous tous,
qui sénateur, pour monde de bien, m'a dit monde de bien dans la société à respecter pour le travail que l'a fait, m'a aimé l'évolution spéciale sous lycée et le plus prochain service de travail qu'a fait là, pour t'a dit nous qui ça, nous libérer à faire comme père de famille, comme directeur d'école, comme ministre de l'éducation nationale, pour ne pas quitter Timoun Sayo avec schisme ça en d'orgueil, pensant que l'État haïtien, l'État panouan, pas le mieux. Ça est important pour nous, en pile. Deuxième point, le ministre prend note pour nous, président, c'est le lycée La Saline. Le pape qui répond aujourd'hui, même t'as aimé le prendre note sous lui, et s'il faut, comme président Kado, Lila, dans la plus prochaine séance de travail, je vous demande de ça, vous m'en prenez à l'heure du jour, pour nous donner le lycée La Saline, semaine dernière, là, c'est dans la rue à la développement. Et Timouni a fait manifestation parce que il y a un professeur. Nous avons connaît est-ce que le problème ça il résout déjà. S'il pas résout, pour nous chercher rapidement moyen pour une solution à ça parce que nous pas qu'à quitter les fleurs dans la rue. Le magistrat a dit marcher c'est pour machin, la rue c'est pour machine et trottoir c'est pour piéton. Nous connaît l'école, salle de classe faite pour élèves l'école. Ils n'ont pas le droit à manifester à travers les rues. Nous, dès qu'on est, ça qui est passé dans le lycée, dans le collège Maranatha, 4e avenue Bolos, côté, il y a des gardiens qui ont été mourus, il y a des policiers qui ont été attaqués en haut. Nous songeons, et avant lui, directeur de l'école, ça a fait combien de jours dans le garde à vue, tout ça, il y a des problèmes. Mais, il y a des dommages qui étaient causés, et dommage ça, c'était la police là, qui a été identifiée, qui a fait quelques petits problèmes dans l'intervention qui a été faite pour le droit. Et nous avons visité que nous avons fait lorsque le collègue a relancé avec le ministre de l'Éducation nationale là, il y a des engagements qui ont été pris pour nous porter une assistance à l'école là, parce que nous avons non seulement dit que nous avons traumatisé, là, il y a des gens qui sont dans la deuxième année préscolaire, après de si c'est tiré, nous venons tirer. Parce que les gens sont traumatisés. Mais en dehors de ça, il y a des matériels, l'école là, tout, qui est écrasé. Et que le ministre a pris un engagement, il a dit, il a regardé comment on est venu en aide à l'école là. D'après l'information que j'ai eu, la direction jusqu'à date, aide ministre n'a pas accordé. On connaît une situation extrêmement difficile pour le ministère, pour le pays, parce que nous n'avons pas l'argent. Mais nous sommes comme nous victimes, l'étape extrêmement important pour nous voyager sous eux. D'autant plus, son école qui a desservi une zone qui a une grande difficulté, tout le monde grand ravine, Matissan, les arbres de Bolos, qui en difficulté aujourd'hui à nous comme ça, c'est là à l'école. Donc l'étape vraiment important pour appui psychologique que nous avons dit, nous avons payé à Timounio pour nous penser à ça et en matériel qui était perdu pour nous garder qui ça nous a pas privé utile. L'autre question que nous avons gagné, président, c'est encore une question posée qui est dans l'air pour la pour le prochaine séance de travail. C'est notre budget républicain. Lorsque nous avons travaillé avec la commission et Nenel Kassi a dirigé, nous avons parlé de lycée d'excellence que le ministère a mis dans le compte dans le budget pour le débat dans l'Ouest 2. Ça aura dans la zone croix des bouquets. En rien, je ne vais pas en rien sous ça. D'ailleurs, le ministère continue sous ça pour nous garder comment nous sommes. Il y a trois écoles professionnelles tout, que nous avons dit dans le budget l'argent là-dedans pour le débat. Et là, nous même pas les ministres pour nous dire d'après nous sous l'Éogan, nous sous l'Ouest 2. Et puis, le croissant par les bouquets, et l'autre là, nous avons choisi Entité Soleil à l'île de la Gonave pour nous mettre et toi l'école professionnelle. Ça. Donc, on est comment aujourd'hui, jeunes garçons ont besoin de métier, et là, on a connu ce qui a passé dans le village de Dieu là. Côté négocier les âmes que vous avez. Et moi, je vous dis, crie pas nous, c'est à retirer les âmes dans nos mains, pas au compris, pas au électricité, pas au réfrigération, pour vous faire la vie avec beaucoup plus de dignité au lieu pour vous faire la police touillée. Eh bien, l'école professionnelle, ça va être important pour nous, puisque nous avons un problème là. Les noms budgétaires, nous avons bien ministre, comprenez notre pour nous, sous ça, pour nous connaître qui ça a fait avec ça. Avant dernière question, le président, c'est
sous question l'école Sermicole. Sermicole, c'est centre de réinsertion des mineurs en conflit avec la loi. Au niveau de Delma 33, il recevait Timoun Sayo et c'est pas et, voilà, il est en prison. Directeur José Pierre, lui, ministre Ali qui l'a, il connaît, et commissaire Raymond qui l'a, il connaît bien, si mineur, il n'y a pas d'aller en prison. Donc, côté malheureusement, ça n'a rien à l'autre bord, l'État plus fait sembler en prison. Mais il y a l'école que je connais qui était fonctionné là-dedans. Dans le ministre, là, mais notez pour moi, sous ça, pour nous connaître, est-ce qu'il y a un yeux sous l'école Sermicole là et qualité d'enseignement qu'il a offert à Timoun Sayo qui est en conflit avec la loi dans l'idée pour nous réinsérer et réintégrer dans la société. Et dernière question, le président, c'est un travail que nous avons gagné jeudi matin. Nous avons invité le ministre de la Justice, le ministre intérieur, le ministre des Affaires étrangères. C'est autour de l'épineuse question relative à bagages, passeports, pièces d'identité, que nous avons des cinquantaines de milliers de jeunes haïtiens au Chili qui ont besoin de documents. Et l'État chilien a un délai pour que les pièces soient. Si vous avez des pièces, vous pouvez retourner. Les pièces qui ont besoin, c'est ONI qui a bailli, c'est le ministère de la Justice qui est le ministère de tutelle ONI. Les pièces qui ont besoin, c'est DCPJ qui a bailli. DCPJ encore en battue du ministère de la Justice, mais ça va être fait en commun accord avec, bien sûr, immigration qui est tutelle et direction et cap immigration et immigration cap bail passeport, sans oublier le ministère des Affaires étrangères qui est même bien sûr par rapport à consulat là, si vous nous demandez des pièces l'autre pour. Nous connaissons ce travail ça, vous reportez s'il est dit. À 8 ans. Puisque nous avons ministre de la Justice, Lila Assoya, qui est dernière question, ça c'est pour le bureau, nous avons besoin qu'on ait, est-ce que la séance de demain, est-ce que nous avons Kébel toujours? Si nous n'avons pas Kébel, pour nous dégager, mettre une date sous l'île rapide, parce que nous croyons qu'il y a urgence que l'État haïtien l'aller au secours de Timoun Sayo, jeune garçon, jeune fille, qui aujourd'hui a au Chili qui besoin de pièces. Moi, pour me dire, merci beaucoup et bonne soirée. Président. Yep. Sénateur, c'est que nous gagnons en conférence des présidents spéciales demain. Oui, justement. Ok. Demain, 11h. Je rappelle, 11h. Oui. D'accord. Certainement, et ministre éducation et premier ministre et ministre justice, elle prend note de toute question qui est adressée lui. Seulement, n'a pas dit ministre de justice là, certainement, il y a une lettre qui a privé jeune, s'il pas arrivé déjà, et qui a un rapport avec la dernière phase d'intervention sénateur, sénatus. C'est pour Haïtiens qui ont vécu au Chili, côté réclamé un certificat délivré par DCPJ suite à la dernière visite que le président Jovenel a rendu l'autre bois. Passeport est fini, bien qu'il y ait besoin d'expirer. Il y a expiré, il y a besoin de renouveler, et pas dans quelle instance notre droit est capable de permettre ça. Nous demandons tout pour que le directeur de l'immigration et de l'immigration soit présent dans l'aide côté adressée nous. Je vais vérifier demain pour nous voir si l'être capable d'aller et si nous avons accusé de réception. Et grâce au cours de la conférence des présidents, je vais capable d'avoir plus d'informations. La parole maintenant au sénateur Sildor. Merci, président. Président, juste quelques questions. Je salue le président, je salue les collègues, le premier ministre, ministre de l'Éducation nationale, de la justice, directeur OMRH et les cadres techniques qui sont ici présents. Quelques petites questions très brèves et pour le ministre de l'Éducation nationale. Là, je ne vais pas répéter que tout le temps apprécié l'effort qu'il fait au niveau de l'éducation, tout le travail à faire pour combattre non seulement la corruption, mais fait tout effort qu'a fait pour améliorer la qualité de l'éducation. Je vais prêter directement dans ce qu'il fait. Je prends la première matrice. La matrice est sur Psugo avec Pronet. Quand 148 pour entoure, la fin fait, là, 148 qui concerne instituteurs, directeurs et gardiens qui pas touché.
est-ce que Mounsa est toujours à travailler? Et nous, la période 2016-2017. Ça signifie que si elle travaille toujours, ça fait 12 mois, puis 6 mois, fait 18 mois. Quand 18 mois, et là-dedans, nous jouons 104 instituteurs, nous jouons 37 directeurs d'école, nous jouons 7 gardiens. Ça fait 18 mois, et pas touché. C'est un bail qui est dur. Dur. Pour le monde, fait 18 mois, la touché, pour le bail, le peine de sujet, chaque matin levé, pour le travail, pour le grand madame des grands visites, pour le laver radli, pour le mettre sur les papiers, il tue. Il faut faire un effort pour nous, sans la décider avec pour nous. Deuxième question, premier ministre et ministre de l'Éducation nationale. Matrice, ça, on présente pour 2016-2017. On va présenter matrice 2014-2015, et c'est là le gros problème. Nous parlons matrice 2014-2015, et c'est là le gros problème. Là. Ça veut dire que si mon ça 2014-2015, il a toujours fait l'école, ça fait 36 mois. Dans 3 ans. Si quelqu'un a déjà fait l'école, en 2014-2015, que ce soit l'Obsuko, que ce soit l'Aponet, si il a fait l'école, ça fait 36 mois qu'il va toucher. Son bail qui grave. C'est la deuxième question que je me pose là-dedans. Troisième question, ministre. Moi, je pense que deux points qui sont touchés là, sont un point sénateur Salomon touché. Collègue, moi, je suis planché dans sa madame. Parce que nous avons donné ça depuis 4, 5, 6 mois. C'est le directeur adjoint du département, M. Claude Bernard. Moi, en force, ça, le devoir pour faire une recherche pour nous sur ça. Quoi que le directeur adjoint, tout le pays est remplacé, mais nous avons ça à la suite. Nous avons pour tout, c'est l'école de l'école professionnelle. Quelles sont les écoles professionnelles là? Inga, Premier ministre, fais-nous faveur. Fais jeunesse en faveur. Si mon géologie n'a pas carré encore, pas ça va aller trop. Si mon géologie a Inga, pas ça va aller trop, Premier ministre. Fais-tu mon ça, c'est jeunesse, la jeunesse, vous voyez. D'autant plus nous parlons de l'exploitation des ressources minières au pays, nous avons besoin de géologues là. Mais ça va aller trop, Premier ministre. Vous ne pouvez pas adresser la ministre de l'Éducation ou même, Premier ministre. Gardez quelque chose pour nous. Gardez-le pour nous. École géologique. L'autre école va parler, c'est encore collègue Salomon. Quittez Premier ministre, ça finit de parler. Oui. L'autre école va parler, c'est l'école professionnelle. Là. Oui, l'autre qu'on a parlé, c'est le professionnel technique au CAELA. Ce n'est pas moi qui dit, mais là. C'est 12 août 2017. Pose le pied, président, directeur d'éducation nationale et performance professionnelle, madame Maggie Diossé, ambassadeur du Brésil avec toute madame, et dans quelques réalités, on est là. Là-bas, bon au CAELA. On était là. Il a même dit, 6-8 mois, il faut qu'on qui fait. Jusqu'à présent, il n'y a pas de. Et c'est un gros moment à l'école, Premier ministre. Son école avec 7 filières, 30 corps de métier. 7 filières, 30 corps de métier. Rien. L'école, ça, il devrait voir après 17 millions, c'est pas l'école seulement pour voir faire des hocailles seulement, pour le département sud, c'est un bagaille pour un pile. Même, quand même, que ministre, ouais, directeur général là, ou ambassadeur Brésil là, si a financé, pas financé, ou encore, si c'est pour côté gouvernement haïtien, hein, qui a l'état agir ça, faut me garder ça pour moi, s'il vous plaît. L'autre point, on va le finir rapidement. Ma vie dit comme sénateur, sénatus, qui salisse Antoine Simon avec l'éducation nationale. Parce que Antoine Simon, il ne faut pas garder le corps ça. Parce que si on parle de lui, c'est Jean-Jacques Dessalines. C'est vrai, comme héros, mais tout le monde connaît Antoine Simon, comment on a la discours pendant 27 ans, qui prend la belle crête de votre presse pour facilité, là, toujours, d'après qu'il vient de dire l'école d'hier. Antoine Simon. Salissez Antoine Simon avec l'éducation.
On le sait qu'en près de 28 ans, c'est en l'école fondamentale la fonctionner. Et 22h, 3h de l'après-midi. Ils ont proposé, ministre, pour le conseil de l'école là, la question d'arbitrage. Ils ont dit, ministre financement, passe retenir l'école ça. 28 ans. Il n'y a pas qu'un propre local. C'est en l'école fondamentale la fonctionner. Je dis ça, je répète publiquement, ministre, et je ne dis plus qu'on a un dossier à ministre. Parce que moi-même, personnellement, je me comme c'est la tête sur le dossier ça. Pour finir, ministre, et l'école professionnelle, il y a l'école nationale de géologie. Vraiment intéressé, l'autre monde qui va toucher pendant 48 mois, 36 mois, 24 mois, il faut pour payer mon salaire. Je n'ai pas de centre pour lui. Et pour ministre, une seule question pour vous, ministre. Je dis à ma rentrée dans l'autre question. Deux petites questions pour vous. Question fatra à la porte au président. Fatra. Fonfon, il faut. On connaît un grand autre bagaille. Madame qui dit que c'est SMCS, là, bon, la ministre n'a évoqué, mais Premier ministre, non, regardez, on est propre. Tout le monde qui est propre. Tout le ministre est propre, nous tous propres. Haïtien propre en lui-même. Il y a un bel bagage. Fatra n'a pas supporté l'homme. Faut que l'État dégage le profond qui soit Fatra. C'est ça seulement que je dis au Premier ministre. Merci beaucoup. C'est à 14. Non, vraiment. C'est un peu quand on va baisser. C'est un peu quand on va baisser. Très, très bref. Oui, je ne parle pas en pile. Merci, président. Question, c'est pour le ministre de l'Éducation. Pour matrice là, l'aide et avis financier acheminé à la primature / ORMH. Là, on va analyser matrice là, moins que gagner aux colonnes qui manquait. Si total de pour tout département les 5006 moun lettres en général avec avis financier qui coûtait pour année 917 645 261 gourdes. Moi dis que aux colonnes qui manquait, nous attendons moi assume ta voix la matrice là que total là pour 5006 lettres là les 917 645 261 gourdes. M'a dit pas aux colonnes, deux colonnes qui manquent. C'est pour les colonnes, montant disponible, ou l'autre colonne va ajouter, montant disponible égal temps, ou l'autre colonne encore, montant qui manquait à égal temps. Et je pense que c'est matrice à Napton. Montant disponible au niveau du budget égal temps, et montant manquant égal temps. De sorte que, pour nous connaître 5006 lettres, dans 5006 lettres là, dans le budget disponible là, mais ça n'a pas payé, et mais ça a prêté pour payer, pour que manquant montant manquant, pour que nous avions avec au niveau du budget rectificatif là, qui vient en juin là. Ça est important pour nous. Et ça, c'est le travail par nous dans le Sénat pour nous aider, aider pour le ministre là, aider OMLH, aider le gouvernement, fini avec question professionnelle, une fois pour toutes et désormais. Merci. Sénateur Cadeau. Oh. Non, le sénateur Cadeau, le sénateur Dumont. Et Duguin doit aller, c'est le vice-président de la commission d'éducation. Je cherche une formule. Sénateur Dumont. Merci président. Très rapidement, moi content pile que gagne plusieurs collègues qui parlaient de l'école professionnelle là. Moi j'ai gagné un pile plaisir pour que le ministre de l'Éducation nationale là t'ait accompagné à visiter l'école professionnelle que Caritas Allemagne fait. Haïti cadeau.
Moi pas connais plan Brésil Tech là, si le supérieur à l'école ça que le ministre de l'Éducation nationale l'a connu. Son école qui l'a depuis 6 ans, et puis qu'on n'y a pas qu'à travailler. Il n'y a pas qu'à travailler tout simplement parce que apprenant yo pas un compte pour nous payer l'école là. Donc finalement, le professeur n'est pas fini. Finalement, où est son petit pointier et apprenant qui l'a. Et puis, alors que nous tous, certains officiers sont là, nous tous, ils disent nous, payer professeur, je viens faire payer professeur, et puis balons l'école professionnelle. Et puis, on l'école professionnelle qui chita sous yon hectare, qui gagne tout bagaille la dernière, et puis il n'a pas gagné élève, il n'a pas gagné apprenant. Est-ce que vous imaginez le mal dans ce pays? Si l'école la joue une subvention, 1 million goud, dit bon, dit que doit plus vite même, et il a marché. Et puis, l'autre bagaille là, l'autre collègue qui parlait de ça, monsieur le Premier ministre, il y a un suspect gouvernement, il y a un suspect ou même comme personne, comme Premier ministre, si nous ne sommes pas capables de dire combien de comptes qui gagnent dans le Fonds national éducation aujourd'hui. Parce que, mes amis, nous tous là dans New York, nous tous là à Miami, nous à Boston, nous avons essayé de saigner quand pour faire payer au marché avec $50 ça, plus ça pour vous et by fond. Donc il faut que nous disions. Combien de gagner et qui ça le fait? Merci un peu. C'est un peu cadeau. Merci beaucoup, Président. Et sous question école professionnelle, ministre m'a fait une demande spéciale. Ministre, éducation. Ministre, sous question l'école professionnelle, là m'a demandé pour que. Au moment opportun, pour t'amender directrice INFPA, font visite Milagouane pour la regarder école professionnelle. Là. Son école professionnelle flambant neuve, qui pas qu'à travailler parce que pas de possibilité pour étudiants acheter matière première pour être capable de travailler. Professeur la main, ils n'ont pas jamais nommé, ils n'ont pas touché. Et je voulais attirer l'attention sur la question contrat. Il y a un peu de cas dans le contrat, surtout mon sugoyo. Deux personnes qui ont un contrat 4 ans, 3 ans de cela. D'année en année, il y a deux personnes qui ont abandonné, mais c'est le même contrat qui continue à sortir. Malgré le rapport de la direction départementale. Cela veut dire, dans le cas de ça, ils ne veulent pas faire cas de remplacement. C'est même ancien contrat qui continue à sortir, même chèque qui continue à sortir. Pendant ce temps, nous avons 2 ans, 3 ans à abandonner. Nous souhaitons que le responsable Sugoa, le directeur de ressources humaines, prenne note. Parce qu'il y a un pile de cas de ça. Et les gens qui remplacent les gens, ils même l'air à travers, ils refusent de faire contrat pour eux. Quelle est la situation qu'a développée dans le lycée Jacques Prévert de Miragouane? En 2 occasions, nous mettons du feu dans la direction. Ministre, nous avons souhaité que vous demandez directeur départemental là pour le fond rapport sur la question. Étant donné que le ministre de Justice est là, nous sommes capables de demander au commissaire gouvernement pour diligenter une enquête. Pour permettre d'arrêter Mounzaro qui commet infraction. M'a fini pour me dire c'est une séance importante et intéressante dans la mesure où lui permettre qu'un pile collègue aborde des thématiques qui regardent l'éducation. Moi-même, bon côté PAM, ma tante dans mes PM, non? Bon plan d'action, Cabral dit nous, tout élément ça nous dit là, entre autres,
de ça. Nomination enseignant. Nombre d'enseignants qui ont été échelonnés pour nous son temps pour nous dire non, qui l'enseignant ça yo, il a pris la nomination, ça peut toucher. Qui l'a touché? Avant de dépôt budget l'année prochaine, non? Si rectificatif a bien, même à parler de budget 18-19. Ministre de l'Éducation, on croit dans la compétence ou dans la capacité pour planifier. Nous pas souhaiter rentrer dans le cycle encore. Nous voulons qu'on est clair. Combien d'enseignants ont besoin l'année prochaine? Si on a besoin pour tout faire provision pour lui, pour assurer que le vote budget, nous mettons comme assez pour nous mettre en seigneur. Nous connaissons qu'il y a une pile pression sur vous de la part de certains politiques en termes d'ouverture, surtout école troisième cycle. Planifier avec direction départementale pour qu'on ait qui troisième cycle vous pouvez, combien d'enseignants ça a demandé pour que les sénateurs et députés défiler dans le bureau pour l'abonnement au troisième cycle, qu'on a planifié. Si c'est 5 pour nous, pour finir. Si c'est 15 pour nous, pour finir, pour nous arrêter d'hémorragie ça, parce que nous ne pouvons pas arrêter la situation ça. Encore une fois, dans nos commissions, à moi, remercier le président qui t'a fait l'invitation. Moi, remercier le premier ministre, ministre de l'Éducation, ordonnateur OMRH là, technicien ministère là, qui là, nous souhaitons que collègues qui là tout, qui permettent que le débat au fait, nous souhaitons que n'a pas fait suivi et communauté éducative là. Merci beaucoup. C'est Adel Katal. Président, moi je crois que c'est un sort de digéril. Et je suis acteur et je crois que vous avez une très belle performance aujourd'hui, hein, ça fait plaisir. Et je félicite vous, je félicite les vice-présidents qui se fait une belle approche. Je félicite. Félicite les collègues qui étaient augustés. Je veux dire, de beaux choses pareilles, ça peut arriver. Mais nous parlons contre, parce que moi avec lui, nos amis. Malgré tout, son temps d'italien, il y a Golat, c'est avocat Noé. Et puis c'est ton président. Qu'on soit dans le tribunal de la majorité. Le président de la majorité. Qu'on soit dans le tribunal là, il va passer le coup. Et tout simplement, je vais demander au président pour permettre que demander au ministre de l'Éducation planifier un budget pour nous 60 écoles professionnelles dans le budget 2018-2019. Là. 6 pour la Tibonite, 6 pour chaque département. Et pour moi, la Tibonite, j'ai besoin d'une pour Machan, des Salines. Yon pour Verret, yon pour Saint-Marc, yon pour Gaumont, yon pour Saint-Michel, yon pour Petite Rivière de la Tibonie. Et je crois que chaque collègue va demander 6 tours, nous pouvons demander pour eux. Donc, on a besoin de 60 l'école professionnelle. Et nous avons des ministères. Si nous avons 6 à l'ISA, nous avons 3 dans chaque département. Et puis, après, nous avons 3 encore. Mais l'important, pour que nous gagnions des gens formés qui peuvent servir le pays à bien en termes professionnels. Ça. Ensuite, ministre, nous avons un petit mot ensemble, dans le cas de l'invitation de Féro, il y a 5 lycées pour 5 sections communales qui arrivent, dit qu'il y a dans l'école nationale, nous avons expérimenté la Tibonite dans toute grande ville, Gonaïve, ensuite, etc., Cap-Haïtien, dans toute grande ville, nous avons dit qu'il y a mis le lycée dans la section, à partir de l'école nationale. Nous avons dit qu'il y a des questions, nous avons discuté, dans la commission éducation pour nous dans qui mesure nous cadrer ces questions et décortiquer et jouer nos solutions avec. Merci. Merci à sénateur Cantave pour l'intervention. Non, mais si nous pas fait Cantave, la parole est toute pour vous. Nous profiter de ces circonstances pour nous dire, bon, faut que nous disions. Premier ministre Gain, Premier ministre ainsi que ministre finance, ministre éducation, très certainement ensemble de questions qui t'a adressé au pour qu'on va y répondre. C'est vrai que moi, président de la commission a conclu, mais certainement j'ai le sentiment que quand le sénateur qui te pose des questions qui était sous soif, pour quand même peut-être attendre qu'il
réaction qu'on a gagné et qui prévision qu'on fait sur ensemble de problèmes qui est adressé. Ministre, vous avez la parole. Et Premier ministre, cette question que tu as adressée très directement par le sénateur Salomon, quand même sous 4 jours effleuré, même lorsqu'on va rentrer dans son question, hein, ça t'a toujours fait collègue la plaisir. Moi-même, tout ça t'a fait plaisir tout comme président Sénat. Eh bien oui. Oh. Très bien. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur. Et rencontre après-midi, hein, genre que honorable sénateur et quant à Fekdili, nous pensons que son rencontre de haut niveau, côté que le débat est très élevé, et nous-mêmes, au niveau du gouvernement, nous prenons note. Nous prenons note non seulement pour questions qui intéressaient l'éducation, mais tout, pour toute autre question qui est en dehors de l'ordre du jour. C'est parce que nous baillons toute intervention ça a en pile importance. En ce qui concerne la dernière question que l'honorable président du Sénat fait poser, si que ou accordez-nous ça, président du Sénat, nous ne pas rentrer dans les détails à souhait, mais comme proposé par l'honorable président de la commission éducation, moi prends engagement pour moi capable de réunir avant la fin de la semaine ministre de l'éducation nationale, ministre des finances, le coordonnateur de l'OMRH et votre serviteur pour nous pencher sur le plan d'action qui permet de nous faire nomination, nombre qui restait et puis montant qui nécessaire. Et bien sûr, si nous avons temps pour nous faire, tout besoin en ce qui concerne nouvelle construction qui a gagné pour l'année fiscale 2018-2019. Ceci étant, si que ou d'accord pour ne pas élaborer trop, je remercie tout un chacun et le Premier ministre restera toujours à votre disposition. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois et que je dois au Premier ministre, je suis un sénateur de la République. J'ai pour devoir et pour attribution de contrôler l'action gouvernementale. Le Premier ministre a été invité à être questionné. Je veux que ma question ait une réponse. Et je veux une réponse à ma question. Il n'y a aucun problème, sénateur. La différence est que le Premier ministre a été invité, et ceci sur une question bien précise. Et ça concerne le salaire des enseignants et des professeurs. Bon, je crois qu'il a répondu à toutes les questions y relatives et très certainement il a aussi pris note de vos différentes préoccupations et en temps et lieu, à une prochaine invitation ou convocation, etc., on pourra inscrire à la lettre d'invitation les différents éléments dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Si ça ne vous dérange dans pas trop. Dans ce cas, Monsieur le Président, je réitère formellement ma demande. 1. Concernant le rapport qui a été acheminé au Sénat relativement aux dépenses effectuées dans l'état d'urgence. Deuxièmement, la question des kits scolaires. Si pour le ministre Final Baraza ou ses points gouvernement marqué, c'est corruption à combattre. Et ensuite, la question des 123 millions de dollars dépensés pour l'achat des équipements. Le sénateur Salomon pose des questions ça, yo, c'est pas un merdeur lié. La nation a besoin, voyez bien, qu'on rende des comptes. La bon pour vous, le ministre, je veux que vous ne sortiez pas pour la petite porte.
Vous êtes un grand médecin que le pays connaît. Dans mon souci comme un grand premier ministre. Merci beaucoup. Très certainement, nous prenons acte sur question ça, bien que quand même, tu as une invitation, tu as une demande formelle déjà qui est faite dans ce sens. Nous seulement réitéré et puis nous prenons toutes dispositions nécessaires pour que nous fassions invitation au Premier ministre dans ta cabinet. Demain, après la conférence des présidents, nous sommes capables, si nous avons suffisamment de temps, aborder des questions et pour nous capables d'entendre nous sur une date. Merci, M. le président. Et Wall Bureau, c'est répondre à toute demande qui est formulée par un sénateur de l'Assemblée sur n'importe qui sujet d'intérêt national. Et moi-même, pour qu'on dise non, je dis à moi très mal barré. Très mal barré, dans la mesure où on seul sénateur sud-est qui est présent dans la salle là. Et le fait que je suis un sénateur sud-est présent dans la salle là, et moi-même m'a présidé, il mettait moi dans une situation véritablement inconfortable parce que j'ai des problèmes tout bon là moi, que je n'ai jamais adressé. Mais... Alors, dans le cas précis, ça, si je choisis vous là, et puis j'ai confiance collègue, déjà, je choisi tout par la même occasion pour me déposer tout fardeau qui a un rapport avec tout. Et puis souffrir tout. De ça peut-être que je souffre là, je veux dire. Même absolument, avec permission collègue, attirer l'attention et le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale là, que depuis déjà un an et demi, il y a une école professionnelle, j'appelle là, qui finit et qui n'est pas équipée. Et que jusqu'à présent, vous avez comme impression, jeunesse sud-est, là, ou bien monde sud-est, dit que nous ne pouvons jamais régler rien pour question de l'école professionnelle, Jacques Bella, alors que l'école professionnelle, c'est l'an neuf, l'y existait, n'y pas équipé, et puis pas dans quelle disposition qu'il prend la donne, alors que véritablement nos besoins, jeunes, fréquenter l'école professionnelle. Là. Monsieur m'a attiré attention sur ça, au lieu que peut-être que moi-même me plains, m'a seulement dit que m'a attiré attention sur lui. Mais quelles que soient les conditions, très certainement avec l'appui des collègues sénateurs, eh bien, nous avons mis des comptes nous-mêmes dans le budget pour faire en sorte que l'école professionnelle de Jacques Mel commence à fonctionner à partir d'octobre. Et si Kounia là, nous avons urgence, à travers le Fonds de développement départemental, eh bien, les 25 millions qui sont dans le budget, l'État bien, doit disposer pour le prendre 10 millions là-dedans ou bien 15 millions là-dedans. Et puis pour faire en sorte que limiter matériel, équipement et même gagner, comme des cadres, un minimum pour permettre que l'école là, véritablement fonctionne. Et là, je crois que bon, il faut que nous capables de faire dans ce sens-là, parce que je sens que ça constitue une chicane pour moi-même comme président Sénat, qui gagne en l'école professionnelle, qui est en place. L'école là, le bâtiment là, et puis dans l'impossibilité de me faire fonctionner depuis un an. Alors que pas gagné, rien qui manquait autre que matériel, équipement et puis corps professoral. Là. Alors je seulement je voulais attirer l'attention. Ça me fait type plaidoirie ça, avec la permission des collègues sénateurs. Merci beaucoup pour le ministre, merci beaucoup de ministre éducation nationale. Et m'a même dit merci à ministre justice, à même du ministre justice, à excusez-nous pour nous faire des perdus après-midi là. Mais quand même, il est replongé, il commence à plonger lui, dans l'ambiance et assemblée sénateur, invitation, convocation, et qui sait, interpellation tout. Bah, c'est trois éléments ça, là, donc, c'est trois ions ça. Là. C'est invitation, convocation, interpellation. Alors nous disons merci beaucoup au directeur OMLH qui a fait un travail sérieux et une contente célérité avec laquelle Mali a traité le dossier qui est devant nous. Je m'a encouragé de continuer toujours avec concours pour permettre que c'est-à-dire le principe de l'excellence, c'est lui-même qui primait, au lieu que peut-être c'est mérite avec excellence qui est à primer. Nous disons merci à tout notre cadre qui t'a accompagné pour le ministre et le Premier ministre. On connaît peut-être que le raté, rendez-vous 8h30, mais c'est
C'est le même travail là qu'on a fait, c'est pour la République. Encore une fois, dis-nous merci et puis à la prochaine. Parce que toujours une prochaine fois, oui. Autant de fois que le pays a fonctionné, autant de fois que le gouvernement là, prochaine fois, elle a toujours existé dans le Parlement. Alors encore une fois, merci beaucoup et bon travail. Prochain point, nous n'avons pas demandé avant le Premier ministre d'aller, n'avons pas des protocoles là pour reconduire la délégation hein, dans le salon diplomatique là pour permettre que yo vaque à l'occupation. Prochain point à l'ordre du jour, question des intérêts généraux. Pas une question d'intérêt général pour l'instant. Prochain point, autre point à l'ordre du jour. Fermeture de la séance. Point 6, fermeture de la séance. Plus rien de notre à l'ordre du jour. Séance à lever. Merci beaucoup. Demain, 11h, conférence des présidents spéciales.